Bonsoir à tous, bienvenue sur Geek Level 60. Désolé, bon, déjà je devais dire 20h30, 20h45, 21h45, je dirais. Un quart d'heure de retard, 21h30. Et oui, comme dit Wag, un revenant, ou pas vraiment. Le petit souci qu'il y a en fait, c'est que pendant les vacances scolaires, c'est compliqué d'avoir des soirées de libre, et surtout la pièce de libre en fait. Et donc c'est pour ça que ça a traînassé, plus bah, retour de vacances, une petite suractivité, des petits trucs comme ça. Et puis aussi, j'ai voulu faire plutôt quelques soirées peinture tranquille pour avancer dans mes projets. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis pris quelques... Ouais, là, ça fait peut-être 3 semaines de trucs sabbatiques. Et donc, bah, je reviens parce qu'en fait, pendant ces 3 semaines-là, j'ai reçu pas mal de choses. Et notamment, j'ai reçu la fin de... Et non. Et j'ai reçu effectivement les derniers ouvrages de 7ème mer. Et non, je n'ai pas piraté la boîte de... je n'ai pas piraté le studio Agathe à Cannes. J'avais tout simplement participé au financement participatif. Il y a de ça maintenant un an et demi, un truc comme ça, je sais plus. Ça commence à dater, mais c'était pas grave. Alors non, oui, on t'a vu. J'étais parti. Alors ça pour le coup, alors je vais l'expliquer à la fin. En fait, je vais faire mon truc de 7ème mer. Et au cas où, si vous voulez, on coupe à la fin et je relancerai un live pour justement, bah, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai Il y a un truc que j'ai ramené de Cannes. Qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement? Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de tester? Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer plus tard? Et puis plus mes petites avancées de peinture. Donc effectivement, non, je fais pas cocu, je vais un peu partout. Je mange à tous les râteliers. Donc ce soir, j'avais envie de vous présenter 7ème mer, tout simplement le jeu de rôle de 7ème mer. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose. J'adore les bouquins sur la piraterie. Et alors, 7ème mer se résume pas juste à ça. Ça résume pas juste à la piraterie. On est bien d'accord, mais ça fait partie de ça. Moi, pour moi, c'est surtout voilà ce petit truc-là qui m'a plu. C'est aussi l'ambiance et compagnie. 7ème mer, donc en fait, à la base, bon, c'est 7ème si, enfin voilà, qui est édité par Chaosium aux États-Unis, enfin en VO. L'ouvrage, en fait, alors c'est un collectif d'auteurs, mais c'est surtout John Wick. John Wick que vous connaissez par L5R. Normalement à la base, et qui a écrit donc 7ème mer, et vous avez maintenant, comme vous voyez sur la table, énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. oui, ouais, les pirates ibériques, non, 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 c'est pas vrai. Donc, en fait, comment je me suis mis tardivement à 7ème mer. Alors déjà j'adore le thème pirate, mais comme je vous dis, il n'y a pas que ça vraiment là-dessus. Et en fait, je cherchais quelque chose un peu plus. Voilà. En fait, j'avais commencé par Pavillon Noir. Pavillon Noir qui est pour moi, même si la V2 est un peu plus light à ce niveau-là. Pavillon Noir est un vrai pour le coup quelque chose vraiment de très pirate, pur pirate, et même limite historique, voire simulationniste, même si je vous dis la V2 normalement est un peu plus soft au niveau simulation, mais bon, ça reste quand même très simulationniste. J'adore cette série-là, elle est vraiment voilà pour la précision historique et tout le reste. Mais voilà, c'est limite trop simulationniste par rapport à ça. Il y a aussi Capitaine Vaudou, toujours dans le thème pirate, et là qui est plutôt dans la fiction, parce que bon, après, on a tout le système de Vaudou avec les monstres et enfin le folklore qui va associer. Là aussi, il y en a un petit peu. Et en fait, 7ème mer, lui, se trouve, je trouve, entre les deux. C'est-à-dire qu'il se rapproche quand même, il a quand même pas mal de petites choses un peu précises là-dessus, et un peu moins enfin, un peu moins fantasy que Capitaine Voodoo, même si en fait on pourrait hein, vraiment le faire. Et c'est surtout, il y a une gamme monstrueuse là-dessus. Ouais, alors justement, je vais expliquer un peu la gamme. Je vais expliquer l'histoire et je vais expliquer la gamme. Donc, je vais commencer par. D'ailleurs, en passage, je pense que Pavillon Noir, je vais vous refaire aussi une soirée spéciale sur Pavillon Noir. Et Capitaine Voodoo, ben, on verra, parce que normalement, ils doivent lancer Monolith, un deuxième financement pour la suite, justement, de Capitaine Voodoo. Et Pavillon Noir, d'ailleurs, normalement, ils devraient aussi lancer un autre financement pour le reprinter, en fait, tous les bouquins, plus les nouveaux bouquins qui doivent sortir. Normalement, si j'ai bien mes bons échos, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là, en fait, avant de vous présenter la gamme, je vais quand même vous expliquer un petit peu le jeu. Les versions de luxe, tu verras, mais en fait, il n'y a pas que les couvertures cuir noir, c'est
une des versions de luxe. Ça dépend en fait de ce que tu veux. Mais j'ai mis ça exprès en avant pour me faire taquiner. Tu vas comprendre. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont là. Donc, grosso modo, ouais, c'est vraiment là-dessus. C'est plutôt un jeu de rôle, ouais, qui fait, voilà, comme ils disent, c'est vraiment un petit truc, vraiment comme la cape et d'épée. On est sur cette France, sur cette époque-là, hein, des mousquetaires et compagnie. Et donc, à partir de là, vous avez vraiment le choix, et surtout, vous avez vraiment pas mal de suppléments. Vous verrez, en fait, la majorité des bouquins qui sont fournis, c'est des suppléments de contexte, parce qu'en fait, l'univers est vraiment immense. Et donc, à partir de là, si vous voulez, vous avez... Alors, attendez, hop, je me remets, parce que pour me rappeler un peu des trucs, pour pas oublier. Ouais, maintenant, vous voyez, je fais des notes. Donc, en fait, c'est voilà, c'est vraiment fait par John Wick. Et au niveau de la mécanique, alors moi, j'ai trouvé la mécanique vraiment super simple. Enfin, super simple, oui et non. En fait, c'est pas un jeu de rôle qui doit se mettre aux mains d'un débutant, je dirais. Parce que ça demande quand même un petit peu d'improvisation. Donc, c'est pas donné à tout le monde au début. Donc, vraiment, il y a de ça. Je vais vous expliquer la mécanique après. Mais vraiment, voilà. Alors, je le conseille pas aux débutants, mais vous allez voir que. Enfin, moi, je trouve le système super sympa. Alors, on aime ou on déteste. Vraiment, j'ai les deux retours, en fait, là-dessus. Moi, j'ai trouvé. Ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Donc, le livre, effectivement, le premier à commencer, c'est effectivement celui-ci, hein, le livre de base, qui va vous permettre de démarrer votre aventure. Qui va vous permettre, comme n'importe quel livre de base, effectivement. D'abord, vous avez un peu les explications, enfin, toujours, hein, comme d'habitude, vous avez toujours, en fait, l'explication du monde. Voilà, là, c'est l'univers de Théa et compagnie. Et c'est surtout, vous allez pouvoir, voilà, géographie, habitants, il vous explique les différentes régions. Et après, vous allez pouvoir créer votre personnage. Le truc qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez créé votre personnage, alors là, pareil, ça se fait bien, il suffit juste de suivre le livre. Normalement, c'est à partir de là, voilà, conception d'un héros. Vous allez avoir évidemment des choix de type de héros, les professions, les avantages, etc., etc. Donc, vraiment, il faut vraiment suivre, voilà, enfin, les historiques et compagnie. Vous avez plein, plein de choses. Il suffit de suivre, entre guillemets, bêtement. Le livre pour créer son personnage. Comme d'habitude, faites ça suivant vos coups de cœur. Il n'y a pas de. J'ai envie de vous dire, de toute façon, vous êtes là pour vous amuser. On peut trouver, je crois, il y a des prêts tirés. D'ailleurs, je vais vous montrer le truc après, justement pour la gamme. Et après, à partir de là, vous avez l'explication des règles. Alors, les règles, elles sont simples. C'est-à-dire que vous allez lancer autant de D10 que la capacité qui est demandée. Donc, par exemple, sur de l'agilité, enfin, je ne sais plus. Alors, ça, je l'ai noté. Pas que moi je vais pas perdre de temps à rechercher mes notes quand même. Comment ça? Si je suis en train de perdre du temps pour rechercher mes notes, bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez les trucs classiques. Hein. J'aurais pu sortir une feuille de perso en même temps, vous allez me dire. Et à partir de là, vous allez lancer autant de dés et vous allez faire en fait des groupes de 10 avec vos dés de 10 minimum. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, vous lancez 4 dés, vous faites 8, 2, 9, 8. En fait, vous mettez le 8 et le 2 ensemble, ça fait 10, et 9 et 8, ça va faire un 10 aussi. Donc, vous allez avoir autant de mises, en fait, entre guillemets, que de groupes de dizaines. Ça va faire simplement là, dans ces cas-là, ça va faire 2 mises. Et à partir de là, le MJ va tout simplement vous décrire en fait la scène, vous décrire l'action en cours, à partir de là, il va vous proposer différents choix. Il y a le petit starter qui le fait, qui explique ça très bien. Hein. C'était quoi le petit starter? Ouais, pareil aussi. Ouais. Évidemment, plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir des compétences. Dans certains cas, vous allez pouvoir relancer les dés, vous allez avoir des 10 explosifs. C'est-à-dire, en fait, une fois que tu as fait un 10, tu vas pouvoir relancer un autre dé en plus. Par exemple, il y a des cas aussi où tu vas pouvoir cumulé en fait sur le total, grosso modo. C'est-à-dire que tu fais pas avec 2 dés, tu vas faire 10. Mais par exemple, si tu as 9, 9, 2, mais en fait ça va te faire 9, 9, 2, ça fait 30 en tout. Qu'est-ce que je dis? 9, 9, 2, normalement ça fait qu'une mise, et 9, 9, 2, normalement ça fait 20. Et là, en faisant ça, en associant ces 3 dés, comme ça te fait 20, ça te fait 2 mises, au lieu d'avoir une mise normalement. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça. Et après, donc effectivement, il va tout simplement.
Il va tout simplement faire le truc, vous expliquer ça, et au bout d'un moment, il va vous décrire les petites choses. Donc, il va te décrire en disant, ben voilà, dans cette scène-là, vous devez sortir par la fenêtre, là, le truc est en flamme, ou des trucs comme ça. Et puis, au passage, vous avez des documents qui sont sur la table, d'un seul coup d'œil, vous avez l'impression que c'est important, mais c'est au risque de se prendre des trucs. Donc, il va te dire, ben, par exemple, pour sortir de la salle, il va te falloir 2 mises, pour récupérer les documents, 1 mise supplémentaire, etc., etc. Donc, c'est à toi, en fait, de prioriser. Donc, par exemple, t'as que 2 mises. Pour 2 mises, tu peux sortir de la pièce et tu vas sortir de la pièce intacte, sans aucun problème. Mais sauf que bah, les documents qui sont sur la table bah, sont restés sur la table, vont être brûlés et tu vas les perdre. Donc tu peux très bien dire bah, tout compte fait, je mets 1 mise pour ça et puis bah, l'autre, je complète pas. Et puis en fait, quand je vais sortir, bah, je vais prendre quand même des dégâts. Bah, tu pourras te guérir plus tard. Mais voilà, ça, en fait, c'est dans l'explication, c'est vraiment très narratif en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer à tous. Bonsoir à toi, Gosfra. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, c'est surtout que, ouais, comme tu dis, ouais, le roleplay est facultatif, mais bienvenu dans le sens où le MJ, s'il est cool, si tu fais ça bien, il peut te donner souvent un dé supplémentaire ou une mise. Enfin, de toute façon, c'est le rôle du MJ d'aider ses joueurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour les enfoncer quand ils font les conneries, et il est là pour les aider quand ils font les choses bien. Donc, effectivement, il n'est pas là pour moi, t'es pas là pour buter les mecs, mais t'es là pour bah, tu fais des bêtises, tu fais des bêtises quoi. Donc on va arrêter là. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment effectivement, tu peux choisir et il y a des bonus si tu fais le roleplay. Enfin ça c'est comme dans beaucoup de jeux de rôle. Mais franchement, cette mécanique de petite mise et puis c'est compliqué parce qu'en fait c'est quand tu fais ton perso et tout, tu fais ton petit truc. Mais en fait, si tu vas lancer les dés, tu vas obtenir tes mises. Tout le monde va obtenir ses mises qui sont dans l'activation, enfin dans l'action. Et après, à partir de là, tu vas pouvoir faire ça. Donc en fait, faut pas voir comme ça comme un. En fait, c'est pour moi, c'est ça qui est l'avantage, c'est que c'est complètement différent d'un Donjon et Dragon. C'est-à-dire que t'es plutôt Donjon et Dragon, bah, vous promenez, machin, ok, t'as un monstre, tu lances les D20 et puis t'es là pour taper. Là, par contre, bah, tu vas lancer et après, tu vas avoir des choix à faire. En fait, normalement, le MJ doit te mettre devant des choix. Alors, bien sûr, t'as aussi des combats ou des trucs comme ça. Si vous entendez une clochette qui fonce, c'est mon chat qui a en fait son quart d'heure de folie là, et qui est en train de se taper un sprint de 100 mètres dans le salon. c'est normal. Donc, voilà. c'est pour ça que, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça qu'on va voir sur le reste de la gamme. Je vais vous expliquer un peu. Vous avez le petit starter qui est super sympa, mais là où je le conseille pas aux débutants, surtout aux MJ débutants, c'est quand même il reste exigeant et qu'il va falloir décrire quand même la scène, détaillant un maximum de trucs, et puis en fait vous donner en fait. Les solutions, les possibilités sur la répartition des mises, et puis, etc., etc. Et vous aussi, à bien choisir le truc. Et en fait, effectivement, au début, l'exercice n'est peut-être pas vraiment évident, mais après, ça reste quand même super ouvert, quoi. Après, à vous la discuter. De toute façon, on est là vraiment. On est là vraiment pour s'amuser. Comme j'expliquais aussi, je voyais, il y a quelques classes qui sont vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends des classes avec des spécialités, tu vois les mecs, tu peux taper dessus, quoi. Enfin, c'est voilà, il y en a qui vont faire le café et compagnie. Mais là, on parle des optimisateurs. Après, moi, je sais que je joue jamais pour optimiser. Je joue vraiment plutôt dans le sens où on va essayer de trouver le personnage assez sympa et pour s'amuser, quoi. Mais l'univers est vraiment très particulier et vraiment super sympa. Alors, attendez, où est-ce que j'en étais pour ça? Ouais, c'est ça. Donc vraiment, par exemple, je sais pas si vous avez vu, si vous avez déjà joué à Pavillon Noir, mais non, j'ai pas mis de clochette à mes enfants quand même. Pavillon Noir, en fait, si tu veux, je le trouve très simulationniste, très carré. Il est super hein, pour ça, hein, j'adore. Hein. Mais en fait, des fois, je le trouve trop simulationniste. Là, effectivement. Sur Septième Mer, on est plutôt dans les films de KPDP, Bébel qui va, qui va prendre en fait la corde qui maintient la lampe et puis et il va slalomer, il va atterrir sur une table, sabre au clair et puis basta et puis allez hop, tout ça avec moi et puis ça va finir comme ça. Et en fait, c'est ces petites scènes-là. En fait, ça me manque, je trouve, des fois dans Pavillon Noir. C'est un peu trop. Parce que si tu fais ça dans Pavillon Noir, t'as de fortes chances de casser la figure, de te briser la colonne sur la table et de finir avec ton sabre qui était au clair, de finir dans le bide, en fait. Donc voilà. Et en fait, c'est ce petit grain de folie que moi vraiment j'adore dans Septième Mer.
Donc c'est vraiment pour ça. Donc et là en fait c'est aussi pour vous montrer alors toute la gamme parce que j'en ai discuté avec certains, ils ont dit putain mais il y a trop de trucs et tout, c'est pas possible, c'est de la folie. Et effectivement il y a énormément de choses. Mais en fait vous allez voir que grosso modo vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Vous avez besoin que d'une partie de ces choses-là. Toutes les autres, c'est grosso modo ce qu'on appelle des suppléments de contexte. Les suppléments de contexte, c'est vraiment. Alors, comparé à un Capitaine Vaudou. Alors, Capitaine Vaudou, j'ai du mal avec la mécanique. En fait, Capitaine Vaudou, la mécanique était très simple pour les années quand c'est sorti. 80. Dans les années 90, fin 80, début 80, je sais plus. À l'époque, en fait, c'était les jeux de rôle étaient vraiment très simulationnistes. Et donc, quand la mécanique de Capitaine Vaudou. Et j'ai plus le nom, elle a un nom spécial. Était sorti à l'époque, c'était révolutionnaire, c'était super simple, c'était super facile. Aujourd'hui, bah, y a eu 30 ans d'écart, quoi. Donc, il a retravaillé. Je me suis fait déjà à moitié. J'avais fait un article dessus sur Trick Track, et limite, je me suis fait engueuler par l'auteur après derrière en disant, ouais, j'ai un. Je dis, ben non, enfin, voilà, je trouve que sa mécanique était effectivement formidable à l'époque, quand il l'a sortie, elle était vraiment très simple. Aujourd'hui, tu as des mécaniques encore plus simples et qui guident plus, en fait, les joueurs quand tu es un novice. Parce que moi, quand je faisais des articles sur Trick Track, c'est toujours par rapport à un novice. On parle d'un Trick Track, c'est un site sur le jeu de société. C'est pas un site sur le jeu de rôle. Donc, à partir de là, j'estime que les gens, ben là, ils découvrent complètement cet univers-là et que, ben, leur dire que ben, Capitaine Voodoo, c'est facile à prendre en main, il y a plus facile quand même. Est plus facile parce qu'en fait il y a beaucoup de petits trucs de calcul de maths ou de petites choses, de petites formules qui sont alors qui demandent un petit coup de main. C'est-à-dire Capitaine Vaudou, c'est je le trouve, ouais, j'ai mis un peu de temps. Il y a des trucs où non, t'es obligé de heureusement, il te faut des aides de jeu. Si t'as pas les aides de jeu au début, tu galères un peu. Après, Capitaine Vaudou, je le trouve pareil. C'est pas la même ambiance. Disons que Capitaine Voodoo est un peu plus, peut être un peu plus, tu peux le mettre un peu plus glauque, un peu plus, c'est plutôt dans le mystère, la, enfin les plutôt, comment dire, la recherche de trésors ou les vieilles traditions, les vieilles us et coutumes, etc. Alors tout ça, en fait, le vaudou et tout ça, tu l'as aussi dans le dans Pavillon Noir, mais c'est plus comme de la chance, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, du destin, de la chance ou des trucs comme ça. C'est voilà, un petit coup de pouce du destin qui va se rajouter. Vaudou est quand même beaucoup plus, ouais, c'est plus intégré là-dessus, quoi. Là aussi, je crois que tu l'as à un moment donné, je sais plus du tout dans lequel, tu l'as aussi, mais en fait, celui-ci, ce que j'aime bien, c'est ce grain de folie que tu peux t'amuser à faire des choses que bah, Capitaine Vaudou, je trouve que tu peux le faire un peu moins. C'est, je dis pas que tu peux pas le faire, je dis que tu peux le faire un peu moins. C'est pas du tout pareil, mais c'est pas la même ambiance. C'est voilà. En fait, je dirais que Pavillon Noir est très simulation. C'est voilà. En plus, avec tout le truc historique derrière. Septième mer, c'est vraiment les films de KPDP. C'est voilà, c'est vraiment ça. C'est très fun. Pour ça, Capitaine Vaudou est plutôt une ambiance, je trouve, un peu plus lourde, pesante, glauque et mystérieuse. Voilà, tu peux t'amuser. Hein. Attention, le MJ peut se bricoler des trucs, mais c'est aussi une autre ambiance qui est super sympa et qui peut être très très fun à faire, quoi. Mais ça, c'est pareil, Capitaine Vaudou, il faudrait que je fasse comme ça, parce que j'adore le thème. Donc, il faudrait vraiment que je vous fasse ça. Donc voilà, Septième Mer, donc le truc à acheter de base. Comme j'expliquais souvent, on se dit bah faut acheter le faut acheter le livre de base. Alors oui et non. Oui et non. Alors là, faut que je retrouve mon truc. Oui et non. Parce qu'en fait, ça va pas être là. Non. Ah, des boîtes secrètes. Est-ce que ça va être là? J'ai une chance sur trois. Non. Ne pas jouer au loto. Hop, c'est là, c'est celui-là, voilà, on est parti. Alors, vous avez, alors ça c'est le livret de héros, je vous le montrerai après, mais c'est la même couverture, vous avez en fait un petit starter qui s'appelle en fait Longue vie au prince. Ce bouquin-là, ce que je vous présente, il est téléchargeable gratuitement en anglais. Sur le site de Chaosium. Donc, pour ceux qui parlent anglais, téléchargez-le. Il n'y a pas de souci. Pour les Frenchies, je crois qu'il est à 5-10 euros. 10 euros. Vous avez, alors, vous allez me dire, le bouquin, il vaut 50 euros. Ça vaut 10 euros. Bon, tu vas me dire, ben, autant acheter tout de suite le truc, quoi. Après, bon.
C'est vous qui voyez. Moi, je vous donne tout simplement cette solution-là. Vous avez ça, ouais, 9,90. vous avez celui-ci qui est vraiment un kit d'introduction qui va vous expliquer un petit peu effectivement qu'est-ce que c'est Septième Mer, l'univers de Théa, parce qu'en fait on commence vraiment dans une Europe. J'ai pas donné les siècles parce que je vais me tromper. Je l'avais à un moment donné. Mais c'est l'époque des mousquetaires et compagnie. Là, il vous explique les bases, en fait, comment faire pour les mises, prendre la réserve de danger, voilà, les séquences d'action, tous ces petits trucs-là, les blessures dramatiques, voilà, vous avez les petites choses comme ça, avec les feuilles, donc il vous explique tout ça. Donc c'est vraiment, vous avez ah oui, alors, c'est les scélérats ou les. Voilà, la séquence dramatique, voilà. Les scélérats, parce qu'en fait, tu peux passer un peu des fois avoir des petits trucs. Et là, vous avez tout simplement un petit synopsis avec un héros. Et vous avez en fait les héros. Les feuilles sont téléchargeables à la fin. Voilà, elles sont là. De toute façon, je crois que vous pouvez les télécharger aussi. Donc, vous avez déjà des feuilles des héros pré-tirés qui sont faites. Donc, vous en prenez. Voilà, la force, la finesse, la résolution, l'astuce, le panache. Et après, sur les compétences, voilà, d'armes blanches, armes militaires. Alors, t'as les avantages ici, les coups d'éclat, la vertu, le trait, la réputation. Donc, en fait, vous avez pas mal de petites choses à faire pour faire votre personnage. Et après, c'est surtout que vous allez avoir ici. Alors, c'est plutôt. Voilà, épisode 1, le fil sanglant. Vous avez vraiment un truc fait au pas à pas. Alors, c'est pas vraiment un scénario complet, c'est plutôt des scènes qui ont été mises en place. Et ça va être à vous de vivre ces scènes, alors qu'elles peuvent être plus ou moins longues. Et vous avez, voilà, un deuxième épisode. Vous voyez, la première scène, elle fait 4-5 pages, un truc comme ça, voilà. Il vous explique le truc. Épisode 2, c'est pareil, hein, ça fait quelques pages. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, conclure l'affaire, vous avez 5-6 pages. Et c'est la fin. Et puis il vous explique aussi des petites choses, des trucs en plus, ça, en plus avec la carte. L'avantage de ce bouquin-là, c'est vrai que pour 10 euros, vous avez en fait. pour ceux qui veulent pas mettre des sous de fou là-dedans, j'ai envie de vous dire, bah, prenez ça, et puis déjà vous allez voir à peu près à quoi ça correspond. Et vous allez avoir besoin de 2D10, les fiches sont déjà faites. Au cas où des petits jetons, mais vous prenez n'importe quel jeton et ça marche. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir quelques scènes, ça vous prend une soirée. Le MJ, ouais, le temps de lire un petit peu, voir les règles et tout ça. Ça va vous prendre une soirée en fait pour faire ça. Et au moins, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Donc, c'est vraiment l'avantage de ce petit truc-là. C'est vraiment avantageux pour ça. C'est qu'effectivement, vous allez voir avec, voilà, pour 10 euros, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et je vous dis, si c'est en anglais, ça va aller plus vite. Ensuite, effectivement, on a pas mal de bouquins. Alors, ça, je vais le mettre de côté parce qu'en fait, je vais reparler après. Donc effectivement, ça c'était vraiment pour moi le premier achat si vous hésitez. Si vous aimez bien les bouquins, si vous aimez bien les jeux de rôle, passez directement à ça. Hein, c'est le livre de base. Le livre de base, effectivement, là c'est le livre de base complet. C'est-à-dire qu'il vous permet de vous expliquer un peu l'univers du théâtre, les règles complètes, la création de personnages. Le regret que j'ai avec celui-ci, c'est qu'effectivement, à la fin, il n'y a pas du tout de scénario normalement. Ouais. Non, c'est ça, c'est des conseils de maître de jeu, mais tu n'as pas de scénario. Et à partir de là, voilà, il parle bien de l'improvisation et quoi que ce soit, donc il vous explique hein, des petits trucs comme ça. C'est en fait le seul regret, parce que souvent, quand on a créé son personnage et tout ça, on aimerait avoir directement en fait un scénario là-dedans. Je trouve que ça manque. Bon, après, vous pouvez en trouver, hein, mais effectivement, je trouve que remettre directement un petit scénario, sans parler qu'il va vous durer une campagne complète, quoi, mais au moins quelques scénarios dedans, moi je trouve ça super sympa. Donc, ça, c'est vraiment le premier bouquin. Alors, après, dans l'ordre, il y en a quelques-uns. Normalement, alors attendez, ça aussi, parce que, histoire de vous les montrer dans l'ordre. Toc, toc, toc. Comment c'était sorti ça? C'était ça. Alors, on est là-dessus sur les nations de Théa. Alors, Raph, mais, j'ai fait quoi là? Là, on a des bouquins comme ça, là, comme ça, des couvertures noires, et puis là, par exemple, on a une couverture, comme vous voyez ici. Et là, j'ai une couverture plein écran, enfin, pleine page, juste avec, vous voyez, le titre en bas, et pas, j'ai pas de septième. Vous voyez, on a vraiment trois couvertures différentes. Donc là, Septième mer, le nom, le petit bandeau noir. Là, on a effectivement que le titre ici. On n'a pas du tout le logo. L'arrière, souvent, c'est la même. Hein, vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de problème particulier. Et là, effectivement, on a une couverture en full noir. Alors, en fait, c'est tout simplement, vous avez trois catégories. Ça.
et c'est uniquement disponible en fait en financement participatif. Ça, c'est la couverture pirate, qui est tout simplement en simili-cuir avec un truc imprimé, le nom sur la tranche ici, donc qu'on voit mal. Et puis, par contre, le contenu du bouquin est exactement le même. Il n'y a aucune différence là-dessus. Vous avez exactement le même contenu, c'est juste la couverture qui change. Ensuite, vous avez les couvertures montagne. Parce que moi, je trouve que les couvertures noires, c'est chiant. Parce qu'en fait, beaucoup d'éditeurs font quand c'est en collector, c'est noir avec le logo. Voilà. Là, c'est noir. Voilà. Au bout d'un moment, t'as que des bouquins noirs. Moi, je préfère ça. Tu payes un illustrateur, c'est quand même pour montrer les images. Et donc là, effectivement, bah, au moins, tu as une belle couverture pleine page. Sur le côté de la tranche, en fait, voilà, tu vas voir aussi le. Hop. Voir le petit truc, etc. Je trouve que c'est plus lisible, plus visible, et j'aime bien en fait ce type de couverture-là. Donc ça, c'est en fait les couvertures montagne. Et ça, ce sont les couvertures montagne uniquement disponibles pendant les financements. Et là, ce sont les couvertures que vous avez en fait en commerce, tout simplement. Donc quand vous allez en commerce, vous avez tout simplement ça. Alors pourquoi j'ai un peu un panache de tout? Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai commencé tardivement, donc j'ai plutôt d'abord cherché des bouquins d'occasion. Donc effectivement, les premiers livres, comme j'avais loupé les financements participatifs, j'ai cherché, et puis au bout d'un moment, des mecs qui revendaient leur ancien pledge, ou des trucs comme ça, donc ça m'a permis d'avoir ça. Et effectivement, j'ai eu un petit dispatch. Après, oui, je sais pas, enfin. J'arrive pas à te lire là, Wag. Alors, c'est. Ouais, le pirate, ouais. Pirater les PDF de CTMR, ouais, c'est un peu une déception, mais. Ouais, je suis d'avis que, en fait, c'est. Au bout d'un moment, il y a du travail qui est fait derrière, et le travail, c'est pour rémunérer les auteurs, enfin, les illustrateurs et tout ça. Donc, effectivement, pirater. Alors, après, effectivement, on peut parler de ça, mais sur le piratage. Mais moi, là-dessus, là, dernièrement, par exemple, pour le jeu de football américain, Mus m'avait filé les fichiers pour qu'on puisse jouer ensemble et se faire une équipe. Clairement, j'ai racheté les fichiers derrière. Donc, voilà, j'ai tout simplement. En fait, il me disait, voilà, Mus m'a filé les fichiers, mais moi derrière, j'ai racheté les fichiers au gars direct. Les PDF, ça m'a coûté moins de 10 euros. Enfin, 10 euros, parce que j'ai même racheté les suppléments derrière, parce que comme le jeu est vraiment très bon. Donc voilà, donc moi là-dessus, j'aime bien acheter, parce qu'en fait, quand le travail me plaît ou quoi que ce soit, pour moi, ça mérite rémunération, et donc j'achète ça. Alors, tu vas me dire, là, c'est de l'occasion, mais bon, c'est pareil, j'ai acheté mes trucs, voilà. Moi, j'ai acheté quelque chose. Donc voilà. Donc là, ici, en fait, on a le début. Théa. En fait, c'est vous avez deux bouquins qui sont en fait les nations de Théa. Il faut savoir que énormément de livres que je vais vous présenter sont ce qu'on appelle des suppléments de contexte. Je vais aller très vite, parce qu'on ne va pas non plus passer 3 heures à faire le truc. Je suis en train de faire un article, et normalement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. C'est pour aller assez vite. Donc, en fait, normalement, quand vous allez sur le livre de base, vous commencez dans les Nations de Théa. Et en fait, ils survolent un petit peu tous les bouquins. Des fois, sur 5-10 pages. Et sauf que là, au bout d'un moment, ces 5-10 pages du livre de base, cette fois-ci, après, ils vous en font vraiment un bouquin complet. Donc là, par exemple, Nations de Théa, c'est souvent. Ce qui représente, pardon, les différentes régions. Et là, vous avez donc voilà, la Valonne, la Castille, la Montaigne et à tes souhaits, le Vestenmenavenjar. Pardon, parce que j'y arriverai jamais, je crois. Et donc, en fait, vous avez là cette fois-ci une explication beaucoup plus complète de toutes ces régions avec les cartes, les us et coutumes, vraiment l'histoire. En fait, là, quand vous achetez un supplément de contexte, limite, je vous fais acheter un livre d'histoire géo. Mais souvent, vous avez aussi des rajouts parce qu'ils vont vous faire des petits ajouts de création de personnages vraiment propres là-dessus, c'est-à-dire que pouvoir, par exemple, ça avait des compétences supplémentaires, ou par exemple, cette région elle a un petit truc de duel un peu différent des autres, et donc vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le rajouter, enfin un type d'escrime ou quelque chose comme ça. Vous avez vraiment plein de petites options qui fait que ces suppléments de contexte, c'est surtout important pour le MJ qui va permettre lui de développer son univers. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas me dire, je prends des scénarios. Normalement, la base, c'est tu prends le livre de base, le livre de règles, tu crées ton personnage, tu achètes des livres de scénarios et tu fais les scénarios. Mais des fois, effectivement, avoir ces livres-là, ça t'apporte vraiment un plus sur l'historique, sur le monde et quoi que ce soit. Et là, effectivement, ces trucs-là vous permettent d'avoir, je vous dis, d'apprendre des choses supplémentaires. Là, on a vraiment. Voilà.
Il y a des avantages, on a des petits trucs en plus, les historiques, voilà, les annexes. On a des petites historiques, des petits trucs en plus qui se rajoutent là-dessus. Et en fait, donc vous avez quatre régions sur le livre 1, et vous avez normalement quatre nouvelles régions qui sont décrites sur le livre 2. Parce qu'il a fallu deux livres, voilà, Leizen, la Fédération Samarcienne, Lucura et la Voie d'Aceh. Et c'est pareil, vous avez effectivement, enfin, puis les illustrations, enfin. Bonsoir à toi Cyril. Alors attendez, parce que là vous êtes en train de sortir des bêtises. Donc à partir de là, et c'est la même chose. L'avantage qu'il y a de ça, c'est que, enfin comme je vous dis, hein, c'est limite des livres d'histoire géo que vous achetez, parce qu'ils vont vous donner vraiment des suppléments, des informations complémentaires. Alors pour le MJ qui aime bien bricoler ses scénarios, c'est juste parfait. Parce qu'en fait, comme ça, comme plus vous avez d'informations sur les lieux ou quoi que ce soit, bah plus ça va être facile pour le MJ de créer des scénarios avec des choses qui vraiment sont cohérentes avec l'univers et tout le reste. Mais après, moi j'adore lire ça. Enfin, certains lisent des romans. Bah moi, je lis des suppléments de contexte en fait du jeu de rôle qui permettent d'avoir en fait tout ça. Et là, c'est pareil, vous voyez, vers la fin, donc là, vous êtes chez le grand jeu. Donc, en fait, souvent, vous avez aussi, suivant la région, vous avez des objectifs différents. Parce qu'en fait, ça parle aussi un peu de politique, quoi que ce soit. Vous avez des groupes, voilà, les Chevaliers de la Rose-Croix aussi, que je vois ici, Los Vagabondos. En fait, c'est au bout d'un moment, vous allez revoir plus loin, là, les lieux notables. Donc, en fait, vous avez des endroits qui vous expliquent. Après, pareil, un peu l'histoire de ces endroits-là, comment ça va, le type d'agriculture. Enfin, voilà, comme je dis, hein, de base, c'est limite un bouquin d'histoire géo avec des petits suppléments pour avoir, vous voyez, on a des avantages en plus pour la création des personnages. Donc en fait, ces bouquins-là, c'est pas du tout nécessaire de les prendre si vous êtes joueur et pas MJ. Ou alors si vous vous en foutez d'avoir des informations supplémentaires. Ces trucs-là, c'est vraiment pour, si ça vous intéresse, si vous avez bien aimé l'univers, c'est clairement pour moi vraiment un gros gros supplément. Oui, il y a des pirates du Rhum. On va en trouver, t'inquiète pas. Parce qu'effectivement, tu as un supplément propre aux pirates. Je vais les mettre de côté au fur et à mesure. Parce que comme ça. Donc, ça, c'est les deux bouquins. En fait, les Nations de Théa, voilà, c'est ça. C'est l'Europe des périodes cardinales, Richelieu, Mousquetaire et compagnie. Et donc, en fait, bah, c'est toute l'Europe hein, de cette période-là. Donc là, il y a deux bouquins. Et c'est par là, normalement, vous allez commencer votre histoire. Donc en fait, et ces deux suppléments-là, donc expliquent, détaillent complètement ce truc-là. Ensuite, on a le supplément Héros et Vilains. Alors lui, c'est un peu. Alors attendez, c'est celui-ci. Héros et Scélérats. Ouais, Héros et Vilains, Héros et Scélérats. Lui, pour le coup, en fait, ça va permettre de montrer effectivement les types de héros que vous pouvez être. Où vous pouvez passer en fait entre guillemets du côté obscur, c'est-à-dire au niveau des scélérats. Vous allez avoir des avantages, des inconvénients, des trucs comme ça. Par exemple, en héros, tu peux être un indomptable. Hein. Les indomptables sont des esprits vaillants et des guerriers redoutables. Ils foncent bille en tête et plein d'audace et ne fuient jamais le combat. C'est un peu ça aussi le problème. Leur sens aigu de l'honneur et de la justice fait d'eux des flambeaux dans les ténèbres, éclairant la voie vers un avenir meilleur. Mais bon, grosso modo, ils vont sauver la veuve et l'orphelin, mais ils vont toujours sauver la veuve et l'orphelin, même dans les pires situations. Et bah, des fois, ça peut être aussi un peu embêtant. Et tu peux passer aussi en scélérat. Hein, donc, observer les sanguinaires sur un champ de bataille est un spectacle terrifiant. Leur rage anime tous leurs faits et gestes et les pousse à dépravation. Ces âmes perfides se livrent à l'extorsion, au harcèlement et au meurtre, mus par un besoin permanent de destruction. Alors, des fois aussi, ça peut être des PNJ qui sont des scélérats que tu vas croiser. Et puis, à partir de là, tu vas tout simplement. Bah en fait, tu vas avoir ce truc-là, et en fait, le fait de savoir que c'est ça aussi, ça va aider en fait le MJ à avoir un peu la teneur en fait, le comportement en fait de ce PNJ, le personnage non joueur, hein, c'est là-dessus. Donc et là, voilà, et là, pareil, donc il vous explique à peu près tous les types d'indomptables avec voilà, et vous avez dessus. Je crois qu'il y a un bouquin. Ouais, pas un bouquin, qu'est-ce que je dis? Ça normalement, c'est ça là-bas, évidemment. Et ça aussi, c'est l'avantage. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça permet surtout. Alors, c'est pas Black Book, c'est chez Studio Agathe.
Donc en fait, tu as tout simplement ici, tu vois, après, tu as un petit paquet de cartes qui était fourni avec. Donc tu as un paquet de cartes héros et un paquet de cartes scélérats. Et c'est vraiment l'avantage. En fait, c'est Chaosium pour la VO et c'est Studio Agathe pour la VF. Et donc là, voilà, il te t'explique vite. Voilà, tu as un petit rappel en fait sur les différents types. Et donc à partir de là, il t'explique voilà les différents types de héros. Et ensuite ici. Tu as tout le long des PNJ avec derrière, ben voilà. Donc Béatrice Devaux, c'est une puissance 10. Objectif, résoudre le casse-tête de la boîte. Bon, je ne vais pas spoiler. En fait, elle explique, etc., etc. Et puis, en fait, dessus, vous avez. Enfin, c'est vraiment une aide, une petite carte. Alors, vous avez ces personnages-là, mais en plus, vous avez la même chose ici. Hein. Et vous avez pareil pour les scélérats. Ça permet, en fait. Zut, j'ai spoilé un truc. J'ai commencé à spoiler un truc. Et pareil pour ça. Alors, ça, ces petites. Oui, celle-ci, je ne l'ai même pas ouverte d'ailleurs. Parce que j'ai un peu eu besoin encore de le faire, mais c'est ce même principe. En fait, les scélérats, ils vous expliquent un peu le fonctionnement, les différents types, et puis vous avez des PNJ qui sont déjà faits avec des objectifs, quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour les joueurs, enfin pour les MJ, parce que ça leur permet, avec en une carte, en fait, t'as pas mal de petites options. Oh, je vais toujours me tromper. Allez voir, je vais vous sortir tout ça après. Parce qu'après, vous avez des accessoires qui sont vraiment utiles pour ça. Donc, héros et scélérats, voilà, enfin. On trouve pas mal, voilà, Cassidy. En fait, ça vous permet de mettre des stats complètes avec des objectifs, voilà, des petites. Vous avez vraiment, voilà, tout un choix. C'est limite entre guillemets un bestiaire de héros et de scélérats que vous pouvez intégrer dans vos scénarios ou quoi que ce soit, ou vous pouvez rajouter dans des scénarios existants. Donc c'est vraiment un truc pour les piocher dedans et c'est vraiment super sympa. Ratigan, c'est pas tout jeune celui-là. C'est pas tout jeune la référence. Ouais. Ça, c'est l'héros et vilain. Voilà. Donc en fait, donc, comme il explique, voilà, il y a 40 héros préconstruits dans les 5 types disponibles, leurs avantages, leurs compétences, ainsi qu'un historique rapide à chacun. Et même chose pour les scélérats. Et après, modification de règles ajoutées aussi pour avoir ça. Les decks de cartes, comme je vous ai montré, qui vont avec. Ensuite, effectivement, on est parti sur celui qui nous intéresse, parce qu'à la base, voilà, on a les nations pirates. Parce qu'en fait, tu peux. Parce que, comme j'expliquais. Bonsoir, Jason. Donc, comme j'expliquais, septième mer, tu peux te faire un jeu de pirate, tu peux te faire un équipage de pirate, tu peux faire ça. Et donc là, par exemple, ils ont rajouté effectivement le supplément Nation Pirate. Et donc, qu'est-ce qu'il me fait? Non, je veux pas. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon PC qui fait des siennes. Donc, Nation Pirate, voilà, c'est par exemple, c'est. En fait, c'est ça. C'est si vous voulez, par exemple, faire un peu plus de mousquetaires, à mon avis, il faut prendre plutôt dans la section Nation de TA et compagnie. Ça, c'est le supplément. Donc, en fait, c'est vous diriger. Vous pouvez très bien prendre les Nations Pirates, qui là, c'est pareil, va vous expliquer la même chose, mais au niveau des pirates. C'est-à-dire que les différents trucs, les ports d'escale qui existent, en fait, les différents. Voilà, quand je vois les légendes, la vie d'un pirate, comment en faire, les différents métiers que vous pouvez être en tant que pirate là-dessus. Donc, vous avez une petite là-dessus. Là aussi, le type, parce que vous avez effectivement différentes factions de pirates qui existent, avec leurs avantages, leurs inconvénients, là où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc., etc. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir vous créer vos personnages de pirates, tout simplement, qui sont propres à chacun, à chaque région, ou quoi que ce soit. Voilà. Et ça, c'est vraiment un supplément de contexte, c'est dans le cas où vous avez décidé de vous faire un personnage, une équipe de pirates. Voilà, la légende de Jonah le Diable. Hop. Et ça, c'est parce que vous avez décidé de vous diriger plutôt dans ce truc-là. Donc, si effectivement vous voulez jouer à 7ème mer, mais plutôt axé piraterie, on a les historiques, etc., bah, effectivement, bah, voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Tout ça, quand j'explique, ce sont des suppléments de contexte qui ne sont pas nécessaires à jouer, mais qui sont indispensables si vous voulez orienter le jeu vers tel ou tel type de truc. Donc, c'est vraiment. À voir dans ce sens-là. C'est vraiment un truc à voir.
pour vérifier au fur et à mesure de ce que vous avez ou de ce que vous voulez en fait jouer comme type de jeu. Ensuite, normalement, c'est. Alors, je sais plus si c'est Terre de Feu. Non, c'est l'Empire du Croissant. On y va. Je vous les sors dans l'ordre en fait. Donc voilà, ça encore, c'est une couverture, vous voyez, Montaigne. Donc en fait, j'ai pas du tout par rapport à l'autre, vous voyez, c'est vraiment une pleine page. Donc là, on est sur l'Empire du Croissant, vous avez compris la référence, sur la région. Donc toujours ce qui est bien, effectivement, vous avez toujours en double carte, enfin une carte ici, avec les différents endroits qui permettent de vous présenter ou quoi que ce soit. Et puis les différentes zones. Et là, vous avez, à partir de là, bah, toujours une petite présentation de la région. Et après, on est parti sur bah, l'historique. Donc là, les temps de l'Empire. Et donc là, on est effectivement parti sur plutôt période Afrique du Nord. Et c'est parti, pareil, même chose. Vous allez pouvoir voir bah, les us et coutumes, les traditions, l'historique, tout simplement bah, la géographie, tous les types de cultures, quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et après, vous allez pouvoir commencer à bah, vous allez retrouver voilà, des PNJ, et puis vous allez pouvoir commencer à avoir des avantages et des inconvénients sur la création d'un personnage de là-dessus, quoi, de cette région-là plus particulièrement. Et même chose, tu vois, la persiste. Donc en fait, et c'est la même chose, hein, c'est suivant la région où vous êtes, bah, vous allez pouvoir prendre, bah, tiens, je vais prendre un personnage de cette région-là, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, les tribus de la 8e mer. Et donc, vous avez tous ces petits renflants. Donc là, c'est la même chose. En fait, cette région-là, elle est survolée dans le livre de base. C'est-à-dire que quand vous allez lire le livre de base, ben, vous allez pouvoir voir, en fait, au bout d'un moment, ils vont vous parler de l'Empire du Croissant. Mais ils vont vous en parler sur quelques pages. Juste histoire de vous donner un petit avis rapide sur cette région-là, mais sans pour autant s'étendre. Avec celui-ci, en fait, vous allez tout simplement pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, et surtout pour jouer des personnages qui proviennent de là-bas. Ensuite, on a le Nouveau Monde, qui est sur le même principe, mais cette fois-ci, c'est plutôt bah, l'Amérique du Sud, hein, l'Aztèque, les Aztèques, les Mayas et compagnie, donc même chose, allez, vous avez la carte toujours en double page, et puis derrière vous avez en fait effectivement encore une fois toutes les explications. Je ne veux pas le refaire à chaque fois, hein, mais c'est juste pour vous montrer la qualité. Là vous avez de quoi lire. vous avez vraiment la qualité, tous les petits trucs, et encore une fois c'est comme je dis un supplément de contexte, mais si vous voulez plutôt vous la jouer en fait conquistador et compagnie, bah, voilà, vous savez. Vous savez lequel. En fait, c'est ça. C'est suivant sur cette période-là, comme elle est assez propice en fait à l'exploration et dans tous les sens. Ben, à vous de voir sur quelle partie vous voulez en fait aller. Donc voilà, période voilà, conquistador espagnol, conquête de l'Amérique du Sud, être le pirate de toutes les Caraïbes, enfin de toutes les mers. Parce que les Caraïbes, c'est voilà. C'est vraiment l'avantage qu'il y a, c'est que ça couvre vraiment pas mal de choses. Les terres d'or et de feu. Hop. Donc là c'est pareil, c'est un peu encore pareil région Afrique du Nord, Afrique plutôt, là pour le coup. Et là c'est pareil. Donc là c'est pareil, c'est vous avez encore tous les suppléments, tous les contextes. Tous les PNJ, enfin des PNJ, enfin des personnages non joueurs, des rois, des machins, etc., que vous pouvez en fait rencontrer, quoi que ce soit, même chose. Donc, vous voyez, après, vous voyez, c'est vraiment. Ils reprennent différentes régions qu'en plus on connaît. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage, c'est que quand tu prends par exemple les terres d'or et de feu, bah, tu sais qu'ils parlent à peu près de l'Afrique. Donc à partir de là, tu as des repères, toi, en tant que là-dessus. Donc bah, des petites choses, tu vas te repérer sur les explications, quoi que ce soit, tout en étant super original quand même. Donc voilà, est-ce que si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein. Parce que là je suis en train de les passer en vitesse. La raison est simple, c'est que je peux pas tous les détailler parce que c'est complet, mais c'est juste pour vous donner, effectivement, ces suppléments de contexte sont vraiment là pour vous diriger, et c'est à vous de voir sur quel créneau vous voulez, mais c'est juste je vous les montre pour vous y montrer que bah, ça existe, tout simplement. Ensuite, normalement, après ça, c'était les sociétés secrètes. Alors là, c'est un peu un truc un petit peu à part. Et sociétés secrètes. Ouais. Les sociétés secrètes, en fait, c'est cette fois-ci, on recouvre tout le monde
qu'on a vu, donc tous les bouquins, le bouquin de base, les différents. Parce que là, en fait, on a l'explication de toutes les zones géographiques connues, à peu près. Et en fait, vous avez. Celle-ci, les sociétés secrètes, rajoute une couche supplémentaire. Alors, c'est. Je dirais que celui-ci, c'est à prendre en dernier. D'ailleurs, je l'ai récupéré là avec le dernier KS en supplément. C'est vraiment à prendre en dernier parce que ça rajoute une couche supplémentaire. Je montre ces sociétés secrètes qui sont en fait, c'est pour ceux qui ont déjà fait tout le jeu, qui ont déjà fait plusieurs campagnes ou quoi que ce soit. C'est si vous, en fait, on voulait avoir des nouveaux petits trucs, il faut prendre ça. Faut prendre ça parce que là, cette fois-ci, tu peux commencer. C'est un peu plus sombre en fait. Parce que là, vous êtes sur le dessous, entre guillemets, le dessous des cartes, et vous allez pouvoir en fait avoir tout simplement vos. Et en fait, il y a beaucoup de lettres. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que en fait, dedans, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas eu le temps de le lire celui-ci, mais si j'ai bien compris, sur dedans, vous avez plein de lettres, et dans toutes les lettres, des fois, en fait, tu as des sens cachés. Et des fois, et en fait, il t'explique de temps en temps. Il t'explique les manières de les manières en fait de décrypter les codes et de décrypter les lettres. Et donc c'est à toi après derrière. Donc en fait c'est pareil. Vous voyez, vous avez différentes factions. Et en fait c'est à toi derrière. Donc là vous voyez par exemple ici le collège invisible. Bienvenue. Et après c'est indéchiffrable. Voilà, c'est indéchiffrable. Et en fait, tout ça, simplement parce qu'au bout d'un moment, il vous donne l'astuce pour le déchiffrer. Alors, il y a, tu pouvais pendant le KS, si tu participais, tu avais un PDF du truc complètement traduit. En fait, c'est que tu te prenais pas la tête, mais sinon, là-dessus. Ouais. Alors, kilo plastique, kilo papier. Ouais, mais en fait, ça s'est pas sorti en une seule fois. Là, tu as une gamme de plusieurs années, en fait. Donc, tu peux pas. Kilo plastique, oui, tu peux prendre certains jeux où effectivement, tu arrives, où tu as tout. En fait, certains jeux comme les gammes, ouais, Mythic Games, Monolith ou quoi que ce soit, des fois, ils te sortent. En fait, le jeu avec les extensions, ça équivaudrait à 5-6 ans de développement de chez FFG, par exemple. Mais tu as ici en fait, ça se fait, ils en sont à 4 ou 5. Et en fait, les premiers, ils les ont sortis normalement, et les derniers, ils les ont sortis avec des financements houlés, tout simplement pour pouvoir avoir en plus des petits bonus, permettre de sortir d'autres trucs en dur. Je vais le montrer après derrière, etc., etc. Donc là, celui-ci, en fait, effectivement, vous avez des petites choses. Des fois, vous avez des lettres où, quand tu lis la lettre, en fait, dedans, en fait, normalement, tu vas t'apercevoir que tu as un. En fait, tu as un message caché à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que le bouquin, là, celui-ci, oui, vous avez plein, plein, plein de lettres. Et en fait, dans chaque lettre, normalement, si j'ai. Voilà, je vous dis celui-ci, faut que je me le tape. C'est limite un bouquin énigme. Donc, si vous aimez ça, c'est limite à acheter pour le jeu, parce que dedans, vous avez effectivement tout ça. Et effectivement, quand vous avez participé au financement participatif de ce jeu-là, de ce bouquin-là, vous pouviez avoir le PDF avec les trucs déjà. En fait, il vous expliquait toutes les astuces, tous les trucs, tout ça, quoi. C'est déjà noté. Je crois que vous pouvez encore l'acheter, en fait. Mais là, cette fois-ci, c'est acheter, en prendre à côté. Mais bon, ça vous donne la solution, en fait. Mais là, grosso modo, ici, celui-ci, et vous pouvez, donc voilà, vous pouvez en créer votre personnage et en plus, à rejoindre. En fait, tout simplement des nouvelles sociétés secrètes où vous allez avoir des mains secrètes, des tics ou des petits messages que normalement vous seul connaissez. Et après, voilà, il t'explique des fois quitter la fraternité, bah, ça peut être plus ou moins facile ou quoi que ce soit. Et en fait, vous voyez, comme vous pouvez voir, je vais le faire dans l'autre sens parce que comme ça, vous verrez plutôt qu'une page noire, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez énormément, si je feuillette, de documents, de lettres, vous voyez, qui sont là-dessus. Il faudrait que je retrouve, vous voyez. Et toutes ces lettres, normalement. Alors, c'est surtout. C'est quand même tiré d'une version anglaise. Donc, vous imaginez le travail de traducteur et de mise en page pour que ce qui a été fait, les messages secrets en VO, puissent être refaits en VF. C'est. Parce que ça, on n'y pense pas du premier coup. Mais clairement, quand tu as des messages cachés en VO, ok, mais quand tu dois faire la même chose en VF, ils ont dû s'amuser. Tiens, hop, une autre. Voyez, celle-ci en bas, pareil, on comprend strictement rien. Et ça se trouve, c'est juste qu'il faut changer en fait une lettre par une autre ou quoi que ce soit. Et à partir de là, en fait, ils vous expliquent, vous voyez, là-dessus, vous avez que des lettres, c'est incompréhensible.
Là, de prime abord, c'est incompréhensible. Et en fait, normalement, il vous explique. Alors, certains. Lorsqu'il investit, hein, les explorateurs se servent également de tout moyen à sa disposition pour décrypter la langue de Cyrnef et donc tenter de percer les secrets de cette ancienne race. Donc, en fait, et après, normalement, ils expliquent préserver les secrets. Je dis, faut que je le lise celui-ci parce que j'ai pas vu le truc, mais enfin, c'est. Quand j'ai vu le synopsis, j'ai fait, oh, ça va être super quoi. Donc là, rejoins, monter la garde, et après, normalement, ils expliquent vraiment comment faire pour décrypter ça. Mais bon, après ça, je vous dis clairement, grosso modo, ça fait partie des trucs à prendre à la fin. Parce que c'est si vous avez déjà fait plusieurs trucs, etc., ça vous permet de redécouvrir le jeu sous un autre angle. Donc, ouais, à prendre vraiment en dernier. Oui, ils ont dû faire les messages en latin. On est d'accord. Voilà, donc ça, c'est les petits trucs. Et les deux derniers, donc, qui viennent de sortir. Enfin, qui viennent de sortir. Qui viennent d'arriver pour ceux qui font le financement participatif, mais qui n'est pas encore en vente. Je crois qu'ils étaient peut-être à Cannes, tu vas me dire. Mais enfin, mon Cannes, c'était vraiment pour les trucs en avant-première. Et donc, en fait, c'est ces deux-là. C'est d'abord, en fait, le prix de l'arrogance. Là, c'est moi qui ai choisi. Vous voyez, j'ai choisi une couverture montagne. J'aurais pu prendre la couverture noire, si c'était cuir. Non, là, cette fois-ci, j'avais fait le KS et j'ai pris la couverture en montagne. Et puis, c'est comme d'autres. Et puis là, en fait, ici, sur ce financement-là, on a eu le droit. Alors, celui-ci, pour le coup. Pour le coup, ce n'est pas un supplément de contexte. Pour le coup, c'est carrément une campagne. Là, le prix de l'arrogance, c'est une campagne de jeu. Donc, vous allez dire, il a fallu sortir tout ça pour une campagne? Non, je vais vous montrer. Il y a d'autres choses avant, bien entendu. Mais ici, vous avez tout simplement ouais, le prologue, le parcours. Donc là, vas-y, voilà. Toute la campagne, elle fait plus de 250 pages de campagne. Là, il y a de quoi s'amuser. Ça vient d'arriver. J'ai même pas eu. Oui, il y a quoi? Oui, c'est ça. 300. Ouais. Avec les annexes, on arrive à 300 pages. On a 300 pages de campagne qui sont en fait là-dessus. Donc, j'ai pas eu le temps. Il vient d'arriver il y a 2 jours. Donc, j'ai pas eu le temps. Et l'avantage qu'il y a, c'est que sur cette campagne française, pour avoir celui-ci, donc ça, c'est vraiment. Ils ont eu l'autorisation par Colossium de refaire celui-ci. Et je crois, alors, de mémoire, Escale, c'était des scénarios de la V1 qu'ils ont pu remettre au goût du jour pour la V2. Si ma mémoire est bonne. Comme je vous dis peut-être une bêtise là-dessus. Et là, en fait, effectivement, là, c'est pareil. Vous avez, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 9, 8 ou 9 scénarios qui ont été rajoutés. Et d'habitude, je vous montrais, en fait, les scénarios, ils étaient plutôt en truc souple. Et là, cette fois-ci, les scénarios, ben, cette fois-ci, ils ont fait vraiment un truc en dur, en fait. Et là, c'est pareil. Donc, ça rajoute tout simplement ben, des nouveaux scénarios. Donc là, là-dessus, en pledgeant sur un bouquin là-dessus, qui est une grosse campagne déjà, ben, en fait, on avait tout simplement un deuxième bouquin avec pas mal de petits scénarios en plus dessus. Donc, c'est ça qui va vous permettre de jouer. Ouais, vous allez me dire, attends, bref. Donc, il a fallu attendre la sortie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 suppléments de contexte avant d'avoir des scénarios officiels. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Puisqu'ils sont là. Non, là. Petites boîtes bien sympas pour tout ranger. En fait, ici, je vais tout sortir. Hop. Tout ça, ce sont des. En fait. Alors, pas tout, hein, mais je vais retirer les deux, trois. Alors, pas celui-ci, si celui-là. Voilà. Pas cela, pas ça, pas ça. Tout ça, ce sont des scénarios qui sont sortis au fur et à mesure. Vous voyez, comme vous voyez, c'est des bouquins souples. Et donc, vous aviez ici, par exemple, au début. Donc, ça, c'est sorti très, très vite. Après le bouquin de règles. Ça, c'est les premiers scénarios qui étaient disponibles. Et donc, vous aviez ces petits. Livret souple qui existait. Et donc là, on a deux scénarios qui s'appellent Voir Charousse et Mourir. Oui, je crois qu'il y a deux parties. Ouais. Il est en deux ou en trois actes celui-ci, de mémoire. Raf, réfléchis. Et donc là, c'est surtout ce qui est très bien.
Parce que même si je vous dis effectivement, c'est quand même. Il vous donne des petites astuces. Et en fait, dans les petits encarts, en fait, il vous explique comment ça marche. Il vous donne des petites astuces, des petites aides. Vous avez tout simplement encore tout un rappel, en fait. Et au début, en fait, ce qui est sympa, il vous explique donc l'auteur, l'adaptation à la deuxième édition. Donc là, en fait, c'est souvent des bouquins de la première, enfin des premiers scénarios pour la V1 qui sont adaptés. Et vous avez un type de public et les mots-clés, en fait, qui correspondent au scénario. Donc là, le public, ici, c'est adulte. Après, mots-clés, donc charousse, complot, courtisan, intrigue, diplomatie, enquête, politique. C'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez de l'action, c'est pas vraiment sur ce scénario-là qu'il va falloir y jouer. Parce qu'effectivement, on est plutôt sur une intrigue politique. Et puis après, vous avez toute l'explication du scénario avec les différentes étapes, les petites aides. Voilà, c'est ça, il y avait trois actes, parce que c'est l'épisode 3. Y avait ça. Et ensuite, on continue. Bonsoir. Elle m'embête, madame. Là, vous aviez ensuite d'autres. Alors, en fait, je vais vous montrer les premiers, parce que c'est important. Le voyage de Marcus et le bal des Matryoshka. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais je vous montre les premiers pour vous avoir une bonne raison. Donc là, c'est pareil, vous voyez, on a deux scénarios. Celui-ci public, vraiment adulte. Glamour, horreur, combat, contamination. Ah ouais, c'est vrai que celui-ci, il paraît que celui-ci, je ne les ai pas joués, mais tout le monde m'a dit. C'est. Ouais, celui-ci, ils sont durs. Avertissement, cette aventure comporte une scène finale. Ah oui. Donc, je vais pas. Non, je vais pas spoiler. Diplomatie, enquête, exploration, poursuivre, trahison. Mais voilà. Mais au moins, l'avantage, c'est que voilà, ils avertissent adultes et jeunes adultes, mais ils avertissent quand même si c'est vraiment assez violent, qu'est-ce qui est un peu compliqué ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, ça permet d'adapter vraiment ça à son public, en fait. C'est vraiment l'avantage. Même chose, hein, d'amour et de mort. Oui, tout ça, c'est je le fais. Alors, je suis en train de le faire, hein, mais la même chose, la complot, destinée, enquête, fête, vengeance. Hein. Là, c'est un public tout âge, donc là, il est vraiment plutôt. Voilà. Ceux-là sont vraiment plutôt. Accès à bah, comme dernier, hein, tout âge, tout public. Hein. Et là, normalement, celui-ci, voilà, pareil, complot, meurtre, politique, poursuite, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive ici. La couronne de Casimir. La couronne de Casimir a l'avantage. Alors, en fait, c'est ça. Vous pouvez les acheter séparément. Vous pouvez les jouer séparément. Vous pouvez faire ce que vous voulez séparément. Ce n'est pas sale. Mais en fait, c'est des one-shot. Ce sont tout simplement des one-shot. Vous prenez ça, vous allez pouvoir y jouer avec pour une, deux soirées, suivant la vitesse. Souvent plutôt deux, trois, comptez, ouais, deux, trois soirées si on y va cool. Plutôt deux, trois soirées par scénario. Voire plus, hein, suivant vos joueurs. Mais la couronne de Casimir, en fait, a vraiment cette particularité que ils ont réussi, avec ce bouquin, de transformer ça et ça en une campagne complète. Tout simplement. C'est-à-dire que là, il vous explique, bah voilà, vous commencez par ça. Le premier acte, en fait, vous prenez tel scénario, avec ses petites modifications. Deuxième acte, c'est ça. Troisième acte, c'est ça, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il a reclassé tous les scénarios au fur et à mesure, celui-ci, pour en faire une campagne complète, avec un finish qui se trouve dans le bouquin pour le dixième acte de mémoire. Donc, grosso modo. Alors, si vous voulez jouer one shot, vous pouvez acheter cela pour les jouer one shot. Si vous voulez faire, en fait, tout simplement ben, une campagne, vous achetez ça plus ben, les quatre autres. Et en fait, vous avez ça, en fait, qui correspond à un bouquin de campagne complète. Mais je trouve super, quoi. Les gars, ils ont fait des scénarios one shot, enfin one shot au début, puis au bout d'un moment, ils te sortent un bouquin en disant bonjour. Alors, ça, en fait, ça permet de relier tous les scénarios d'avant en campagne. Et après, effectivement, il y a d'autres scénarios qui sont sortis. Ça, j'en reviens à la fin. Donc, voilà, on est pareil hein, sur différents trucs. Après, même chose encore là, il y a deux scénarios qui sont faits ici. Même chose, toujours, toujours, ils expliquent le type de public, le type de truc, qu'est-ce que ça va être. Là, par exemple, là, ça va être joie, altruisme, courage. Enlèvement moral, sauvetage. Et puis à partir de là, ça va permettre en mots-clés action politique, guerre, horreur. Voilà. Petits enfants. Et il y en a un dans le scénario, dans l'eau, je sais plus lequel c'est. Il y en a un, c'est clairement le scénario des trois mousquetaires, quoi. Vous devez aller sauver un bouquin mystère surnaturel, monstre enfant. Voilà, celui-ci. Vous avez en fait des petits trucs comme ça. L'avantage qu'il y a, c'est que ça permet en quelques mots-clés de se faire un peu une idée de ce qui va vous attendre et en fait d'adapter le scénario. Ben, un, aux joueurs que vous avez et de deux en fait à ce que vous avez envie de jouer quoi. Si t'as pas envie de jouer de l'horreur, bah, tu peux faire autre chose, tu peux faire du tout public, tu peux faire plutôt de l'action, des trucs comme ça.
C'est vrai, tu as raison, Ghost. La couronne de Casimir, soit c'est familial, soit c'est parental, advisory, on est d'accord. Là, celui-ci, septième mercatet, est un peu à part. En fait, c'est, en fait, je mettrais ça comme longue vie au prince. Pourquoi? Parce que l'univers, en fait, quand vous lisez un peu l'univers, vous avez toujours ce côté l'Asie, en fait, qui est entre guillemets méconnu ou très mal connu plutôt, très mal connu dans cet univers-là. Et donc, à partir de là, ben, normalement, le prochain ouvrage qui doit sortir, c'est effectivement sur ça. Et donc ça, pardon, ben, dis donc, vous avez même chose. Un petit starter avec une petite mission, enfin des petites scènes, et qui vous explique un petit peu comment, en fait, voilà, les scènes de l'étape 1, 2, 3, les personnages prétirés qui sont là, c'est comme le Longue Vie au Prince, mais du côté, en fait, Asie, cette fois-ci. Et il aura son tome qui va arriver bientôt. Nous, normalement, ceux qui ont fait Escale et puis, zut, Le Prix de l'Arrogance, normalement, on devrait recevoir les PDF en avant-première, justement, pour voir ce que ça donne. Et bah, je suis impatient, parce qu'en fait, John Wick, c'est quand même celui qui a fait le 5R. Donc, il maîtrise, entre guillemets, un petit peu son sujet sur ce monde-là. Et donc, le monde de Septième Mer est génial. Et en fait, bah, voir un Septième Mer qui, en fait, comment expliquer, qui rejoint du L5R, ça me fait toute chose. Donc c'est simplement pour ça. Ça, c'est un petit truc un peu spécial. Je vous dis ça, c'est un peu comme Longue Vie au Prince, mais c'est la version en fait bah, Asie, tout simplement. Et là, j'arrive sur les deux derniers petits suppléments dans ce même style-là. On a utilisé le tarot de sorte parce qu'en fait, vous avez seulement un jeu de tarot à l'intérieur et il vous explique comment vous pouvez jouer en fait un jeu de tarot. Donc c'est un truc supplément qu'on peut encore ajouter, que la MJ peut rajouter sur la divination et des trucs comme ça. Et donc voilà, tu peux à la création de ton personnage faire ces petites choses-là, etc., etc. Et il t'explique. Donc là, alors ça c'est, je crois que tu peux l'avoir en PDF gratuit, mais tu pouvais l'acheter. Je dis, je suis plus ça prêt maintenant. Hein. Quitte à avoir la collection, autant prendre le maximum. Donc ça, en fait, ce sont tous les suppléments comme vous avez vu de scénario. Donc j'insiste bien. Ce qui est important, c'est ce livre-là de base si vous voulez jouer. Ensuite, vous avez plusieurs suppléments de contexte qui vont vous cibler sur une région en particulier ou un type où vous avez les pirates, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. C'est si vous avez envie plutôt, oh tiens, j'aurais plutôt de faire ça dans ce coin-là ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre un supplément de contexte. Les deux derniers qui vont sortir incessamment sous peu, donc c'est Escale et le Prix de l'Arrogance, qui sont en fait des campagnes. Escale plutôt un, c'est pas une campagne, je crois. Escale plutôt c'est un regroupement de scénarios. Mais le prix d'Arrogance, lui, par contre, une énorme campagne. Vous avez ce que je vais vous montrer, tous les petits feuillets livrets qui sont tout simplement des petits scénarios. Alors one shot pour, je vous dis, quelques soirées, ou alors effectivement avec bah, un supplément qui permet de transformer 4-5 bouquins en une grosse campagne. Et ensuite, on arrive sur tous les goodies. Alors les coffrets, je vous montre là, en fait c'est pareil, c'est les coffrets qui sont disponibles pendant les financements participatifs. Ça fait très gadget, mais comme vous pouvez le voir, bah, en fait c'est super pratique pour tout ranger. C'est super pratique pour tout ranger. Donc là, là c'est plutôt ici que j'ai rangé toutes les. Alors voilà, par exemple, c'est au financement, on avait le droit à ce genre de choses-là. Moi je trouve ça pratique. Parce que par exemple, je l'avais dit à Gilles, le monolithe, je fais c'est bien votre truc là de me filer les capines voodoo, plein de prétirés, plein de feuilles, plein de ceci, plein de cela. Sauf qu'aujourd'hui, bah, toutes les feuilles, tous les prétirés, tous les trucs comme ça, bah, ils sont en fait dans une pochette plastique dégueulasse quand je les ai reçus. Et bah, t'as rien pour les ranger, c'est limite des feuilles volantes, quoi. Il suffit que ta pochette plastique casse un peu sur la longueur, bah, tu peux te retrouver avec tous tes prétirés qui se déversent en fait dans ta bibliothèque ou quoi que ce soit. Donc je trouve dommage. Je trouve ça très dommage. Et c'est l'avantage de ces petites boîtes-là que Sudoagat a fait pour pouvoir ranger tous les suppléments, les dés, les machins comme ça. Ce qui fait que tu sors ton livre, tu sors ton petit coffret et tu peux partir les jouer avec, quoi. Bon, là, c'est pareil, on va tout sortir. Et je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc là, c'est, bah, par exemple, voilà. Là, ici, et en même temps, voilà, par exemple, je le dis, hein, Capitaine Voodoo, quand j'ai reçu le truc, j'ai reçu juste, je vous dis, dans une pochette, voilà, c'est une pochette plastique comme ça, vous voyez, c'est même pas un prêt-tiré, c'était une pochette plus épaisse, évidemment, parce que j'ai reçu
plein de prétirés, de personnages, de machin comme ça. Et donc j'ai une grosse pochette plastique pour tout me contenir, quoi. Mais rien. Studio Gat, eux, oui, ils ont fait un petit truc en carton. Bah, ça a l'air de rien. Ça n'empêche que, bah, en fait, c'est sympa. Parce qu'en fait, t'as tout au moins qui est à l'intérieur, qui est nickel. Et donc, alors, c'est ces trucs-là. C'est à réserver aux MJ, c'est à réserver aux fans, c'est à réserver aux... C'est pas de l'achat obligatoire. Mais ça permet surtout, en fait, quand vous allez faire l'aventure, ben en fait, là, sur la campagne, par exemple, ici, alors je crois qu'on peut les récupérer informatiquement, mais en fait, c'est à partir de là, tu as toutes les cartes, tous les petits textes, voilà, à propos, toi, toutes les lettres, et ce qui fait que, ben, c'est quand même plus sympa. Plutôt que d'envoyer montrer un fichier sur ordinateur, de dire bah tiens, vous avez reçu cette lettre-là. Et tu tends ça à tes joueurs. Et les joueurs, en fait, ont les lettres. Alors tu peux les imprimer, hein, normalement, si tu achètes les fichiers, les PDF. Et là, en fait, tu as tout ça. Donc pareil, vous voyez, tu as des cartes sur les lieux que vous allez visiter, sur les endroits, les plans. Alors attention, spoil, fermez les yeux si vous voulez pas voir. Enfin bon. Voilà, comme dit Benjamix, pour l'immersion, c'est beaucoup mieux. Et en fait, voilà. Donc là, par exemple, tu as les plans. Vous avez aussi pareil, voilà, des jolies petites images pour vous représenter. Effectivement, comme il dit, voilà, pardon, les plans de bateau. Vous avez quand même pas mal de documentation qui vous permettent, un, de bah, voilà, gagner en immersion. C'est beaucoup plus visuel quand vous faites votre campagne. Et là-dessus, bah voilà, bon, la même chose, vous voyez, c'est un peu plus grand. Et franchement, c'est vraiment super. C'est voilà, vous avez des petites cartes. Bah, vous arrivez sur cette île-là, tu poses la carte au milieu et tout le monde en fait a vraiment un visuel de l'île, sait à peu près où c'est. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, etc., etc. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment plein plein de trucs. Et là, ensuite, tu as aussi normalement ici, c'est les PNJ. Voilà, avec tout simplement en fait la fiche qui est déjà faite, l'historique, etc., etc. Je sais même pas si t'as pas, si c'est pas des prétirés ceux-là, parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Hein. Donc ça se trouve, je suis en train de vous dire que c'est des PNJ, mais ça se trouve c'est des prétirés. Ah, putain, c'est classe quand même. Et donc vous avez tout ça ici. Voilà, vous avez tous ces fichiers-là. Et en fait, bah, à partir de là, bah, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir ce genre de document. Quand tu veux faire une campagne, tu la poses. Et puis à partir de là, bah, c'est nickel, quoi. Et puis, voilà, ça vous fait 100 en moins. Après, enfin, 100 en moins imprimé à montrer où c'est plus facile. Je vous dis, effectivement, en immersion, on y gagne énormément. Et donc ça, c'était ce qu'effectivement, quand on participait au financement participatif de ça, ça se trouve, on peut encore l'acheter. Alors ça se trouve, ils en ont peut-être encore sur leur site à voir ou quoi que ce soit. Je sais que de temps en temps, moi, tout cela... Par exemple, j'ai pas tout acheté au fur et à mesure. Là, la dernière campagne, Prix de l'arrogance, ils nous expliquaient qu'il leur restait des cartes, des decks, des trucs comme ça. Et donc, on pouvait en racheter. Donc, moi, j'ai racheté des boîtes. Il y en a une qui est un petit coin d'enfoncé. Et donc, à partir de là, bah, je l'ai acheté, je crois, 30 euros au lieu de 50, un truc comme ça, parce qu'elle était un petit peu abîmée. Enfin, c'est génial, quoi. Là, pareil, on a des grandes cartes. Donc, je vais pas pouvoir les déplier de partout. Voilà, on a une carte énorme. Je vais pas la déplier. En fait, sur voilà, vous dépliez la carte et vous avez toutes les régions en fait du... Hello Landry. Et voilà, enfin, c'est pareil, c'est ce genre de truc là qui est sympa, c'est qu'à partir de là, bah, si t'es pirate par exemple. Vous êtes en train de comprendre que je suis en train de galérer. Ah, c'est bon. Donc en fait cette grande carte, tu vois par exemple si tu joues pirate, si tu veux faire une équipe de pirates avec qui ont un bateau ou quoi que ce soit ou quoi que ce, ou qui veulent en fait et tu veux parcourir les mers, et voilà, t'as la carte pour présenter. Voilà, après t'as des petites illustrations, bah, c'est les mêmes petits prétirés qui sont toujours sympas. Donc ça c'est la couverture, les petites couvertures. Et là ensuite tu as effectivement, alors ça c'est les fiches premium. Vous entendez, c'est en petit carton et tout, bien épais. Normalement, ces fiches-là sont faites pour utiliser vos personnages pour écrire dessus. Sacrilège! Non, j'écris. Voilà. Vous aviez tout ça en fait dans un pack qui était fourni avec une des boîtes. D'ailleurs, je crois que. Voilà, vous avez encore une autre carte ici. Mais c'est pas la même que celle-là. Normalement, non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Donc, vous avez encore une autre carte ici. Pareil, une autre carte qui permet de détailler le truc. Et là, on a. Alors, je vais ranger ça au fur et à mesure, parce que sinon, je vais en avoir partout. Hop.
bêtise de clic. Ouais, la cartographie, bah, celui-là, bah, comme j'ai acheté deux fois les voilà, deux boîtes, en fait, j'ai le truc. En fait, ceux-là, je les ai en double. Vous voyez, j'ai renouveau ça, j'ai de nouveau. C'est même pas encore la même carte, celle-là. C'est juste les cartographies, je crois. À moins que ce soit pas les mêmes cartographies. Là, c'est pareil, on a encore une autre carte, cette fois-ci moins imagée, beaucoup plus claire. Sur les nations de Théa. Même chose. Vous voyez, vous avez ici, effectivement, celle-ci va être un peu moins chargée en illustration, mais va être tout aussi sympa. Donc vous avez voilà, vous avez des cartes sur chacune des régions, quoi que ce soit. Et là, les cartographies, c'est les mêmes ou plus? Je sais plus du tout. Je crois que c'est les mêmes sur certains. Ouais, bah oui, on retrouve les mêmes illustrations. Et là, par contre, alors, je vais ranger. Je crois que c'est les mêmes. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez des cartes agrandies encore. Donc c'est toujours pareil, vous voyez, la Castille, Eisen. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, en cherchant, vous faites un gros pulse pour tout simplement pouvoir faire une map énorme sur la table, la montagne. Vous voyez, la montagne, c'est un peu l'Espagne. Hein, on est d'accord? Hein, avec... Ouais, c'est... Et c'est vraiment quali, parce que vous... Enfin, je sais pas. Tout est en carton, super épais. Et là, normalement, tout ça, ça permet de faire une énorme map. Si ma mémoire est bonne. Alors, attendez. On va faire un pulse. Évidemment. Non, ça marche pas comme ça. Je sais plus du tout. Non. Non, non. Ça se trouve, j'ai pris le seul truc qui marche pas. Carléon. Ah voilà. Carléon est là et en fait voilà. On est comme ça. Donc c'est pas côte à côte, mais vous voyez, vous allez pouvoir regrouper les trucs et avancer. Bah, tu avances ici, tu dévoiles la nouvelle map, etc. 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 Ce qui permet en fait de. Pour ça je vous dis que c'est un énorme pulse. Après, pareil, on a encore d'autres petites cartes qui sont tout simplement présentes pour les différentes régions. Donc en fait. Et là, on a vraiment voilà, des villes aussi. Pardon, des villes. Voilà, une petite carte de ville. Et tout ça, c'est pour aider, effectivement, bah, quand tu as un événement qui se passe dans cette ville-là, ou dans ce coin-là, ou dans ce secteur-là, bah, tu peux présenter une carte à tes joueurs, ce qui sera quand même 20 000 fois mieux que ça. Alors, certaines, les cartographies, effectivement, je crois que j'en ai deux packs. Hein. Certaines cartographies, effectivement, bah, comme ça, ça vous permet d'avoir pas mal de petites choses. Là, vous avez vu le supplément du prix de l'arrogance, c'est vraiment propre à la campagne, ça vous avez toute la documentation propre à la campagne. Et après, on a le dernier coffret, alors celui-ci. Où là, effectivement, j'ai mis encore d'autres petits trucs. Alors, je vais sortir tout ça. On va commencer par le truc qui sert à rien, mais qui est... qui sert juste à faire du bruit derrière, qui sont les écrans. Donc, en fait, effectivement, vous avez différents écrans disponibles. Alors, je crois que celui-ci, c'est le basique. Alors, évidemment. Comme j'ai 15 000 bouquins de l'autre côté, là, qui me gênent, on va essayer de faire de la place ici. Voilà. Donc ça, c'est les écrans qui sont disponibles. Des volets, voilà, en trois pans, pareil, carton dur. Derrière, vous avez encore une fois... ouais, c'est... Bah, en fait, ça, je dis, c'est en plusieurs années. Et là, je crois que j'ai quasiment tout. Il doit manquer peut-être un ou deux goodies du fait que, par exemple, dans le prix de l'arrogance, si tu validais dans les 48 heures ou 3 jours, je sais plus, un truc comme ça, tu avais un petit carnet avec une couverture spéciale. Un carnet vierge. En fait, c'était juste pour vous donner. En fait, la couverture là-dessus. Goodies en soi qui est vraiment pas du tout utile. Bon, c'est juste un petit carnet quoi, à remplir. Mais voilà, tu avais des petits trucs comme ça. Et donc là, il t'explique en fait tout pareil, les manœuvres de duel, les séquences dramatiques, etc. etc. La principale, avec les numéros de page hein, pour les rappels de page du livre de règles et compagnie. Et donc, tu as tout ça. Et là, après, effectivement, ils ont refait les mêmes hein, séquences d'action et tout. Mais cette fois-ci, tu as effectivement. Voilà, il va doucement. Voilà, escouade de brutes, hein, pareil, donc la même chose, point d'héroïsme. Il rajoute des petits trucs supplémentaires par rapport au truc. Et là, vous avez ici, voilà, plutôt cette fois-ci, un combat. Voilà, donc ça,
c'est le deuxième. Et le dernier qui vient de sortir, avec le prix de l'arrogance, c'est le dernier. Je dois avouer que je préfère largement. Voilà. Là, on est sur un look. Je trouve, je préfère ce look de derrière, là. Et voilà. Et ça, c'est le devant, où en fait, on a tout simplement une bataille navale qui est présentée. Et là, effectivement, là, au niveau look, par rapport aux deux autres, là, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Vous voyez un peu le style d'écriture à l'arrière. Et puis ça, c'était l'avant-dernier, je crois. Vous voyez la différence? Ah, celui-ci, en bas, il est quand même beaucoup plus immersif. D'ailleurs, au niveau de... Je vais... En même temps, je vais regarder avec vous, parce que je ne sais pas du tout. Je vais regarder par rapport au premier. Ouais, on a du matos. Il n'y a pas 800 euros, hein. Enfin, j'ai pas. Comme je dis, les premiers bouquins, j'ai acheté énormément de livres en occasion. Donc, après, c'est vrai que c'est à 50 euros le bouquin, ça fait quoi? Là, j'en ai pour. En neuf, j'en ai pour 100, 200, 300, 400, ouais, 500, plus les bouquins, les trucs comme ça, 500. 500. Ouais, si, 800, t'es pas loin, remarque. En neuf, t'es pas loin. Ah oui. Et je crois que 800 en 9, t'es pas loin. Je sais plus combien. Il y a un pledge total qui était disponible pour avoir la totale de 7ème mer. Mais moi, j'ai pas payé ce prix-là. Je le dis. Hein. Je le dis carrément. Parce que j'ai acheté les premiers bouquins carrément en occasion. Et des fois, j'ai juste les petits bouquins, les petits scénarios. J'ai vraiment fait une super affaire pour le coup. Le gars, il se débarrassait et j'ai acheté ça de misère. J'ai acheté ça de misère. Je m'attendais que ce soit les flics qui viennent frapper à ma porte pour me livrer, quoi, en disant, Monsieur, vous avez volé quelqu'un. Alors, séquence d'action. Normalement, quant à ça, normalement, voilà, t'as l'équipage. C'est sa propriété monstrueuse, capacité de brute à foncer. En fait, là, t'as vraiment les trucs de base. Et là, et tu ne les as plus ici. T'as les nations, t'as le truc, voilà. Donc là, c'est mon propre, en fait, à la campagne. Et là, par contre, je vais regarder par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout les mêmes informations. Par contre, les deux là, séquence d'action, dramatique, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est deux ici. C'est-à-dire que le premier, voilà, celui-là et celui-là, en fait, c'est vraiment les deux mêmes au niveau du contenu à l'intérieur. Celui-ci, à mon avis, comme c'est le dernier pour la campagne, il est propre avec les suppléments de la campagne. Et t'avais dit, ouais, mais allez voir sur. Faudrait que j'aille voir. Je vais aller voir sur la page. Les derniers là, ils avaient fait un pledge. Oui, c'est tu. J'ai dépensé sans compter. Ah, elle est partie se coucher, je peux le dire. Ah merde, elle va regarder le. Elle va regarder là. Qu'est-ce que t'as dit à ce moment-là? Non, rien, rien, ma chérie, c'est pas. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est une blague. Alors attends, prix de l'arrogance. Ouais, c'est celui-ci. Les contreparties et non pas les contrepétries. Ah! Je fais les baptêmes, les mariages. Alors, parce que sur celui-ci, pour vous dire, par exemple, j'ai même pas pris celui avec la totale. J'ai pris juste celui qui me permettait à 100. Parce que celui à 150, je sais plus ce qu'il me proposait en plus. Et. Oh non, tu vois. Ouais, ce que je dis ça, mais c'est 50 ce bouquin-là, mais ça se trouve, les autres, c'est pas 50. Ah ouais, c'est 35 euros les. Non, ouais, les suppléments de contexte, ils sont pas à 50. J'ai dit n'importe quoi. C'est 3 bouquins pour 100 euros. Ouais, ils sont à 34, 95, 90. Donc là, quoi, ça fait quoi? Ça fait 100, 200. Ouais, déjà, ça fait. Non, déjà, oui. Quand il faut 3 bouquins pour arriver à 100 ou le 2, déjà, ça descend. Ouais, tu vois, c'était 400. Flottille en renfort, là il te proposait les. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Avec les deux écrans, les cartes, les decks, les machins. Ouais, c'est ça. Non, non, tu dis. Ouais, c'était. Leur all-in. Ouais, non, j'ai pas dépensé ça. Leur all-in, vous voyez, il était à 444 euros, quoi. Parce que tu avais le livre de base, Zéro Scélérat, Nation Pirate, Nation de Terre 1 et 2, L'Empire du Croissant, Nouveau Monde, Terre d'Or et de Feu, Société Secrète, Le Prix de l'Arrogance.
Et puis après, le trésor pirate avec l'écran du meneur, les points d'héroïsme, 12 jetons, etc., etc. Ça, on va aller sur le reste, ouais. 405, ouais, je pense qu'avec les frais de port et tout ça, ça arrivait à 500 balles, ouais. Ah oui, alors, c'est ça, l'audio. Ça a bugué dans le micro. Et en fait, on termine par... Alors, attends. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure les deux petits decks de cartes qui sont Héros et Scélérats, qui aident le MJ, hop là, qui aident le MJ tout simplement pour avoir des PNJ d'un coup de main, d'un seul, et vous avez tout simplement ça. Celui-ci, je viens de les avoir, donc je peux pas vous les. J'ai même pas eu le temps de les ouvrir. Ça, celui-ci, effectivement, c'est le tarot de sorte. Donc, c'est ce qui va avec le petit bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, voilà, ça permet. Notamment, je crois, pour trouver, en fait. Mais c'est pareil, l'illustration, c'est juste. Enfin, les... ouais, moi, je suis. De Ambre, d'ailleurs. J'avais pledgé, là, sur le tarot de Ambre, la deuxième édition. Parce que j'ai jamais réussi à mettre la main, ou alors à des prix. C'est bon, le mec, il se touche avec des licornes. Donc, j'ai pris le deuxième à moins cher, là. Et. Qu'ils ont réédité. Et là, effectivement, voilà. On a ici, en fait, un jeu de tarot, tout simplement, qui permet, effectivement, que je vous dis, normalement, c'est. Souvent, ces jeux de tarot-là, ils te permettent de créer ton personnage par le pur hasard, en fait. Et des fois, c'est pas mal. Ça te permet de changer un peu et de. Bah, en fait, tu pioches des cartes et puis tu vois le truc, quoi. Donc, ça, t'as ça. Donc, ça, c'est les deux nouveaux que j'avais pas. En fait, celui-ci, alors je vais pas l'ouvrir avec vous, mais celui-là, en fait, c'est tout simplement un résumé des faveurs pour les sociétés secrètes que je vous ai montré, où je vous ai dit que vraiment ça va avec le dernier. Donc, celui-ci, je l'ai pris en même temps. En fait, c'est sur les cartes, c'est pareil, c'est pour aider le MJ. Ça te permet de faire un résumé des faveurs suivants. Et les faveurs, alors, quand dans une société secrète, grosso modo, ouais, c'est ça. Faire partie d'une société secrète, ça te permet de faciliter pour avoir. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est d'avoir des faveurs. Et les faveurs te permettent d'accéder plus facilement à certaines informations. Bah oui, tu es une société secrète, donc tu es censé avoir accès à beaucoup plus d'informations que n'importe qui. Lambda, machin, etc. Donc, et en fait, à partir de là, vous avez, et suivant la société, tu as accès à t'as différents moyens. Et donc, ça, bah, en fait, comme ça recomp je vous dis, comme ça rajoute une couche supplémentaire, vous avez ce petit deck de cartes qui permet d'avoir un rappel. C'est toujours pratique d'avoir ça, parce qu'en fait, c'est plutôt que de refouiller dans un bouquin, bah, en fait, tu as tout simplement ce jeu de cartes. Et en fait, ça, c'est le set de duel. Oh mais non, level up sur putain, level up c'est 150 euros, hein, c'est un petit jeu. Alors pour la petite histoire, level up, ma belle-mère, hein, parce qu'on part en vacances avec la belle famille de temps en temps, et donc une fois elle achète le level up, celui-là, le level up là, le vrai, elle l'achète et en fait à chaque vacances ils jouent avec. Donc en fait à chaque fois je leur dis, vous savez que le jeu il vaut 150 euros, mais non, je l'ai acheté 15-20 euros. Je dis oui. Mais... Aujourd'hui, ils vaut 150 euros. Ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Eux, ils jouent. Eux, ils jouent à level up. Donc, j'essaie de le proposer d'acheter un level 8 à la place, qui est la même chose, mais elle n'a pas voulu. Il est moins beau. Bah, oui, il est moins beau. Donc, voilà. Mais on peut l'ouvrir celui-ci, parce que celui-ci, ça m'intéressait de voir ça. Donc, là, en fait, c'est simplement pour les. Pareil, des duels. Donc, ça va vous aider. L'autre, il m'a. Enfin, l'autre, je veux pas l'ouvrir. Vous voulez voir un Wookie qui déchire une boîte qui vient juste d'arriver en train de galérer entre mes gros doigts et tout le reste. Je vais quand même pas devoir me lever pour aller chercher. Oh bah non, je vais péter la boîte. Allez, dernier essai doucement. Mais pourquoi? Non, non, je ne ferai pas. Je suis désolé. Faut que j'aille chercher. Oh non, je vais pas aller. Faut que j'aille chercher une lame de couteau pour. Oh non, je peux pas l'ouvrir devant vous. Si je vais le péter. Ah ben non. Non, je suis en train de forcer, je vais le péter. Donc non, non, je veux pas. Ah, c'est bon. Je suis désolé, mais
Alors, mauvaise note, on n'arrive pas à ouvrir des paquets de cartes. Mais c'est pas possible. Alors, soit j'ai des trous. Oh, mais non, mais c'est coincé ici. J'ai dit que je stoppais. Je suis en train d'insister. Ils attendent tous derrière là. Que je pète le tout. Non, j'arrête. Je peux pas. Donc, évidemment, bon, c'est deux fois le même, donc on s'en fout. Oui, j'ai lâché votre truc. Et là, vous avez effectivement bah, les fameux dés. Donc, que vous allez lancer. Donc, la petite astuce, elle est là. Vous en lancez tout simplement bah, les dés. Voilà, hop. Donc, ça, c'est un 10. Donc par exemple, au bout d'un moment, bah, j'ai un 10 et quand tu as certaines... Donc là, par exemple, là, j'ai une mise, mais là, 5 et 3, ça suffit pas. Alors des fois, tu as des compétences qui te permettent de relancer un dé ou quoi que ce soit. Donc là, dans le but, bah, tu vas relancer le 3 pour essayer d'avoir mieux. Bah, 5 et 5, 10, super, ça fait 2 mises. Et des fois, tu as des compétences qui te permettent d'avoir un dé explosif. Donc là, à partir de là, je peux relancer. Bon, bah, là, ça me fait 7. Donc là, grosso modo, avec ça, je fais des paquets de 10. Alors j'aurais pu, on va dire, voilà, si j'avais un 2. Voilà. Si j'avais eu un 2, bah, 7 et 2, ça fait 9. 5 et 2, ça fait 7. Donc, on va faire un truc comme ça. Donc là, grosso modo, j'ai deux mises pour cette action-là. Parce qu'en fait, c'est... Faut pas croire que c'est à chaque... En fait, c'est quand tu as une scène, tu vas expliquer pourquoi tu utilises ça. Alors, des fois, tu as des bonus. Par exemple, si tu n'as pas utilisé la compétence la fois d'avant, des fois, tu as un droit à un dé supplémentaire. Si tu as fait un petit peu de roleplay ou quoi que ce soit, tu peux avoir un dé supplémentaire. Etc., 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 etc. Ouais, on t'a connu plus tes. Non, je veux pas te bousiller la boîte, quoi. Et donc, en fait, des fois, donc, tu pars sur une compétence où tu vas lancer 2, 3, 4 dés, 2, 3 dés, 3 dés par exemple, mais parce que tu fais certains trucs, tu vas avoir le droit à des dés supplémentaires à lancer pour ton action. Et alors, c'est pas une action, des fois, c'est pour la scène complète. C'est-à-dire, grosso modo, alors je reprends l'exemple du starter qui est très bien fait, il t'explique que tu arrives dans une pièce où effectivement, tu as quelqu'un qui est en plein milieu de la pièce en feu et tout ça, tu vois des documents, tu sais qu'il faut aller sauver la demoiselle, faut sortir par la fenêtre, etc., etc. Tu lances les dés au début. Et tu as le droit à tant de mises. Alors les mises, ça va avec ça. Oh, tu peux mettre les sacs, tu peux mettre les dés dedans. Et en fait, ils ont fait ça. Ça, c'est génial, ça. Hop, des petits jetons de poker. Septième si. Non, mais c'est du vrai jeton de poker. Voilà, vous entendez? Et donc, là, quand tu es ton joueur, en fait, bah, tout simplement, tu vas dire, bah, en fait... Là, j'ai 10, donc j'ai une mise. Là, j'ai 10, donc j'ai une mise. Et voilà. Donc là, tu gardes ça. Et en fait, tu as deux mises devant toi. Et donc, comme au poker, c'est ça aussi, cette ambiance-là qui est géniale. Et donc, tu as tes deux mises. Et donc, là, tu as l'MJ qui t'explique la scène. Il fait, alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, ben, pour aller sauver la dame, il faut payer une mise. Pour aller sauver les documents, il faut payer une mise. Pour sortir, en fait, pour sortir là-dessus, faut payer une mise. Après, c'est à toi aussi de dire, oh, ouais, machin, est-ce que je peux pas faire ça, ça, ça? Et puis le MJ va dire, ok, ben pour ça, tu vas faire tant de mises, etc., etc. Et à partir de là, tu vas tout simplement te dire, ben voilà, ben je veux faire ça et ça, je paye mes deux mises, et il te manque une mise, donc il va t'avoir, en fait, tu vas avoir un effet négatif, parce que, par exemple, bon, je vais aller sauver la veuve et l'orphelin et pas les documents. Alors, cette fois, tu es à plusieurs, donc c'est l'autre qui peut-être va aller sauver les documents, parce que vous êtes, t'es pas tout seul non plus dans l'action. Mais toi, effectivement, par exemple, vous êtes que deux, bah toi, tu vas sauver les documents, moi, je vais sauver la dame, mais pour sortir, il faut deux autres mises. Donc, en fait, j'en ai, bah, pour sauver la dame, je paye une mise. Pour sortir, bah, j'ai qu'une mise sur les deux. Donc, bah, comme il manque une mise, il va avoir un effet négatif derrière. Je vais prendre des blessures, des trucs comme ça, donc je vais lancer des petites choses. Et à partir de là, voilà. Et c'est ça, en fait, que je trouve génial aussi. Et donc, justement, j'aurais pas dû le ranger. Vous aviez un petit kit, voilà, qui vous proposait, je sais plus combien il était ce petit kit, c'était en supplément, qui vous proposait, vous aviez donc le livret de héros, qui vous permettait d'avoir ici, bah, de créer votre héros, en fait, avec, voilà, il vous avait fait un petit résumé, mais vous aviez ici votre livret de héros complet, pour remplir ça, mettre les compagnons, le navire et tout ça, les histoires. Donc vous avez vraiment plusieurs petites choses, un livret complet pour faire son personnage là. Avec ce livret, vous aviez normalement un set de dés. Voilà, et puis vous aviez en fait aussi, pareil, un autre petit set, un petit jeton, pardon, un petit sac. Putain,
Donc voilà. En fait, grosso modo, vous aviez un set de joueurs. Là, pour le coup, c'est un set de joueurs. Pour le set de joueurs, vous avez donc votre livre qui vous permet de créer votre héros. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire dessus, mais ça peut toujours être un support intéressant. Et vous pouvez imprimer ensuite le document. Vous avez un set de dés, bah, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et vous avez tout simplement bah, le petit sac avec dedans, bah, pareil, les petits jetons et les petits jetons, en fait, tout simplement pour pouvoir parier et compagnie, quoi. Et donc, à partir de là, vous avez ça. Et ça, c'est le set de joueurs. Alors, ça peut paraître gadget, hein, mais clairement, si vous voulez jouer à 7ème mer, le MJ, il a quand même investi dans pas mal de trucs. Il a investi dans les bouquins, dans les trucs, etc., etc. En tant que joueur, si vous savez que vous allez faire plus d'une partie, si vous êtes parti dans une campagne ou quoi que ce soit, prenez ça. Franchement, prenez ça, parce que c'est vraiment super. C'est vraiment génial. Et puis c'est surtout le coup de effectivement manipuler des jetons, vraiment faire. Comme on parle de mise, quoi, c'est vraiment t'as ça devant toi. Alors après aussi, voilà, comme sur un financement que j'avais fait, on avait le droit à un petit doublon en métal. Voilà. Alors là, c'est pareil, si tu peux donner le doublon pour dire qui commence. Tiens, c'est toi qui commence, ou quoi que ce soit. Enfin, tu peux t'en servir comme petit marqueur ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est. Mais ça a l'air de rien, mais c'est pareil, c'est super sympa, quoi. Et donc, c'est ce matériel-là. Ça fait combien de temps que je fais 1 heure et demie? Ah, mais c'est parfait, 1 heure et demie. On va pouvoir s'arrêter. Et pourquoi pas repartir sur autre chose, mais voilà. C'est clairement, je termine par ça, parce que c'est. Pour moi, ça fait partie du jeu, en fait, d'avoir ça. Alors évidemment, si vous faites trop de bruit, déjà au son, là, à couper, là, ça va être la catastrophe. Et puis non, si vous faites trop de bruit, en fait, à partir de là, voilà. Bon, après, mais c'est pour le jeu. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir les dés qui vont bien, le bouquin qui va bien. Même si vous mettez vos feuilles de perso, vous voulez pas écrire dessus, vous pouvez mettre des feuilles à l'intérieur. Ça fait toujours là, un petit bouquin. Mais c'est surtout d'avoir les mises devant soi, de dire voilà, bah, j'ai 3 mises. Et à partir de là, avec les mises, en fait, tu sais ce que tu vas pouvoir miser là-dessus ou quoi que ce soit. Et puis récupérer tes jetons à la fin et on recommence sur un nouveau système. Mais ça alors, bien sûr. Les D10, vous pouvez prendre n'importe quel D10. Les jetons, vous pouvez prendre n'importe quel jeton. Des marqueurs, des cubes en bois, des ce que vous voulez ou quoi que ce soit. On s'en fout. Là, par contre, je sais plus si c'était pas si cher que ça. Ma souris, là. Je l'ai dans les add-ons. Oh, attendez, 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 attendez. Attendez, c'est comme je l'ai pris. Ouais, je retourne voir mon pledge. Alors ça s'ouvre, c'est lent, c'est normal. Tac, tac, tac. Hop, excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Voilà. Il était à combien ce truc-là? Alors, les petits decks, ils étaient entre 12 et 15 euros. Vous voyez, la boîte de Rose-Croix, je l'ai eu à 30, parce qu'elle était abîmée, je crois. Et la boîte de Montaigne, avec les accessoires pareils, parce qu'elle était un peu abîmée, je l'ai eu à 50. Et puis le pack de joueurs est à 25 euros. Donc le pack de joueurs, c'est ce que je vous montre ici, c'est les jetons, les dés et ça, c'était 25. Quand on sait que souvent un paquet de dés c'est entre 10 et 15 euros, là vous avez vraiment les jetons avec le petit sac, hein. Vous avez le sac, les jetons, ça et ça pour 25. Franchement. En sachant que le MJ a déjà dépensé 50 euros juste pour le livre de base, et au moins, on va dire, allez, il a pris le gros bouquin, le prix de l'arrogance, qui vaut 50 balles, lui, par contre, aussi, hein, parce qu'il est épais, hein, le prix de l'arrogance. Hein. Je vous donne les tarifs. Escale, il va être vendu. Non, je sais même pas, parce qu'il n'y a même pas de trucs derrière. Bon, j'ai pris les montagnes. Ouais, ben, Raph, t'as pris les montagnes ou t'as pas les trucs derrière? T'as pas pris les trucs de commerce. Vu l'épaisseur du bouquin, je pense que le prix de l'arrogance, il doit être à 50 balles. Mais voilà, enfin voilà, c'est tu prends. Là, c'est surtout la sortie de ça qui est intéressante. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu prends
Alors, ils vont quand même te dire que si tu veux faire ça, de mémoire, ils vont t'expliquer que ce serait bien d'acheter un ou deux suppléments de contexte afin, pour le MJ, afin d'avoir vraiment un complément d'information pour certains scénarios qui sont vraiment à fond. Je sais plus lequel, mais alors, c'est un conseil, hein, mais tac, 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 tac. Voilà, Nation de Pirates, Nation de Terre, Volume 1 et le Nouveau Monde, voilà. Et en fait, ils expliquent, voilà, les descriptions de deux chaînes, la mer Athéenne et les Atlantes sont extraites des suppléments. Donc en fait, voilà, ils ont sorti des parties, mais après, effectivement, je crois qu'ils, enfin, ils disent, voilà, si vous voulez vraiment avoir une expérience complète pour le MJ, c'est conseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand même d'avoir ça. Ça permet en fait de, d'avoir une meilleure connaissance du milieu, en fait, c'est comme tout. Alors, c'est pas obligatoire, en fait, en soi, ils disent, voilà, ben, en fait, on va visiter ça là-bas. Donc, comment on va faire ça là-bas? Le MJ, s'il veut être un peu plus à l'aise sur l'environnement, que les joueurs vont aller là-bas, bah, si tu prends le supplément, que tu lis le supplément ou quoi que ce soit, bah, tu auras plus de connaissances et donc tu vas peut-être pouvoir un peu mieux improviser ou rajouter des trucs, quoi que ce soit. Enfin, faire ton boulot de MJ. Mais, et en fait, c'est tout ça. Et là, enfin, c'est. Là, aujourd'hui, alors soit vous prenez Escal, qui sont. Des... Vous avez les petits bouquins, hein, mais là, vous prenez le bouquin de base, vous prenez. Vous avez des heures de jeu, quoi. C'est juste là pour moi aujourd'hui. Vous prenez le bouquin de base, vous prenez le prix de l'arrogance. Walou, c'est après. Tu peux acheter chez les petits livrets souples à côté, hein. Mais déjà, ces deux gros bouquins là, vous avez des heures et des heures de jeu. Les joueurs, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre ça parce que ça, c'est vraiment. Vous allez voir, est-ce qu'il les vend encore? Si vous avez des questions, c'est le moment parce que après, sinon, je vais pas tarder à couper. Et puis, au cas où, si vous voulez, je relance, le temps d'enregistrer tout ça. Je peux relancer après un autre truc pour vous montrer ce que j'ai reçu et que je suis en train de lire. Parce qu'en fait, je vous dis, depuis 2-3 semaines, j'ai pas eu le temps. Il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Les deux nouveaux recueils sont disponibles, ouais. Mais je suis même pas sûr, en fait. Ouais, le dernier sur ce rapage, ouais, disponible en boutique, voilà, c'est ça. Ça date du 20, oui, non, mais non. Après, c'est surtout les boutiques. De toute façon, c'est Neoludis de mémoire qui distribue ça. Ouais, c'est Neoludis. Donc après, il faut voir si c'est. Si c'est à voir. Tac, ça c'est bon. Pas de questions, ou ça a coupé, ou quoi que ce soit. Bon, vous êtes en train de peindre, vous avez raison de peindre. Plutôt que d'écouter un vieux Wookie. Ou en écoutant un vieux Wookie aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer la gamme. Alors, 7ème. Ouais, j'ai pas voulu. En fait. Ouais, je suis peut-être pas simple. Alors, par contre, ce que je vais faire. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre là, à la fin. J'avais fait une présentation de 7ème mer. Donc là, je vais vous le mettre ici. Et normalement. Ça, voilà. Ici, le lien, c'est tout simplement, c'est mon article sur le blog sur la présentation du jeu 7ème mer. Donc, en fait, ce que j'ai, enfin, ce que j'essaie d'expliquer un peu devant, mais comme c'était un peu brouillon, voilà. Là, j'avais pris le temps de le faire, surtout au niveau des règles, quoi que ce soit. Donc, si vous avez des informations supplémentaires sur la mécanique, quoi que ce soit, c'est là-dessus qu'il faut y aller. Là, je suis en train de terminer justement un article écrit sur la gamme, donc tout ce que je viens de vous présenter. Et justement, je voulais le ponctuer par une vidéo. C'est pour ça aussi que j'étais assez vite sur la présentation du jeu et un peu plus complet sur la présentation de la gamme, en sachant que je sais que certains aiment bien les vidéos, d'autres aiment bien en fait ça. Et donc là, je vous ai montré un petit peu tout le truc, mais ce sera pareil, beaucoup plus détaillé. Ça fait quelques mois que je suis dessus. Parce qu'en fait, au début, j'ai commencé à faire ça. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ça qui sortait, j'ai repoussé. Et puis comme ça a tardé, en fait, j'ai préféré, j'ai pas tiens, je vais attendre que ça sorte pour vous le sortir. Donc voilà, ça c'est vraiment là-dessus. C'est une gamme que j'apprécie énormément. Et je vous dis, si certains lisent des romans, moi ces suppléments de contexte, je les lis comme tel en fait, comme un roman. Parce que c'est vraiment génial là-dessus à lire. Surtout si on aime bien l'univers, une fois que vous avez lu le livre de base, ben, en fait des fois vous survolez certains endroits, certains secteurs. Et puis ben, en fait, ben, quand tu as le supplément de contexte, ben, tu aimes bien prendre le bouquin et puis lire le supplément de contexte sur cette zone-là. Ça te permet d'en apprendre un peu plus. Et c'est génial. Mais ça pour moi, je vous dis,
c'est aujourd'hui certains lisent des romans, moi je lis du jeu de rôle plutôt comme ça. Et c'est vraiment excellent pour ça. Et là, c'est surtout la sortie du Prix de l'Arrogance et de Escale, qui sont vraiment des bouquins de scénario, une grosse campagne et compagnie, qui moi je vous invite à découvrir ce jeu-là. Livre de base, le prix de l'arrogance, pour les joueurs, vous prenez ce kit-là, et vous allez avoir des heures et des heures d'amusement. Oui, la gamme est impressionnante, mais c'est une gamme qui sort depuis plusieurs années maintenant, donc effectivement, elle peut être impressionnante. Et le prochaine, et la plus grosse prochaine attente, ça va être effectivement Kate, qui va regrouper en fait l'univers plutôt asiatique. Et je vous dis, John Wick est quand même celui qui a créé L5R. Niveau maîtrise de cet univers, il en a un peu sous le pied. Je suis très impatient de voir ce qu'il va en faire dans cet univers de 7ème mer, vu ce qu'il a fait déjà avec L5R. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je range tout ça, parce que vu l'heure qu'il est 23h24, je range tout ça, et puis pour ceux qui voudraient, d'ici, je prends le temps de ranger, machin, allez, on va dire 15-20 minutes, je relance un petit live vite fait, c'est pour vous montrer mes dernières acquisitions que je dois jouer, ou les trucs que j'ai joués, dernièrement depuis ces 2-3 semaines-là, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, oui, 2-3 semaines, j'ai pas été inactif non plus, et donc, de là, ça m'a permis, des fois, au lieu de faire une soirée là, ici, ça m'a permis de jouer, de peindre, ou quoi que ce soit, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, donc je suis 15-20 minutes, je vous dis, temps de ranger ça, je prépare le reste, et puis on se retrouve aussitôt. Des bisous, merci à tous, et puis je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent, et puis sinon, à la prochaine. Prochaine fois, je risque de faire une session de peinture, plutôt pareil pour montrer un petit peu vite fait deux, trois trucs. Session de peinture assez rapide, puisque ça va être des clones de Star Wars Légion, donc vous allez voir ces techniques super speed. Voilà, merci à vous, et puis je vous dis à une bonne nuit, une bonne soirée, à tout de suite ou à plus tard pour les autres. Allez, ciao, bye, et merci encore d'être passé.